Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Bienvenue pour les folles aventures de Jackie et Michel. Comment ça va, mon bon Michel? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, ça va, hein. J'espère qu'on m'entend, c'est tout ce que je souhaite. Au loin! Maintenant, on t'entend. Ah cool, t'as réparé, ça y est. Ouais, j'ai censé réparer. Donc, que je vérifie vite fait. Je vérifie vite fait. Nickel chrome. Vite fait. Nickel chrome. On the Vite fait. mix, on the moon. Nickel chrome. On the Vite mix. fait, on the moon. Nickel chrome. On the Vite fait, mix. On the moon. dis quelque Nickel chose pour voir. chrome. On the mix. On the Quelque moon. chose Dis pour quelque voir. chose pour voir. On the mix. On the Quelque moon. chose Dis pour quelque voir. chose pour voir. On the mix, on Oh, the quelque moon. chose maintenant sourdine dans le jeu. Oh, c'est bien ça. Nickel, s'il y a un écho, c'est normal, hein. J'étais en train de faire quelque chose de bizarre. Je vais lui fermer sa gueule en direct. Alors. Ça, c'est bien. Allez, mission. Allez, gauche, aux Non, patates. attends, 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 attends. T'es chaud patate, t'es chaud patate, je vais te patater, moi, tu vas voir. Merde, c'est pas. Pourquoi je clique toujours sur ce bouton-là? C'est là. Gestionnaire, mais non, pas gestionnaire des convois. Tac. Tac. Alors, non. Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons aller à Tampa Bay. Tampa Bay, Ouais. c'est en Floride. Ah, c'est bien. C'était un piège, messieurs, dames. C'était pour voir si l'autre con y suivait. Parce que tu crois que je sais pas où elle est la ville des équipes de football américain, toi. Hop. Franchement, tu croyais me piéger avec Tampa Bay? Ouais. T'aurais pu choisir n'importe quelle ville moisie de Floride, je t'aurais dit je sais pas de quoi tu me parles. Et encore, pas sûr. Affiche. Mais la ville des Buccaneers, tu croyais quand même m'arnaquer avec ça. La ville des champions en titre, je tiens à signaler. Ouais, bah s'ils continuent à jouer comme ils sont en train de jouer là. Enfin, ça va. Pour l'instant, ça va, mais ils ont perdu deux matchs. Bah, j'ai même pas suivi la reprise, j'avoue. Bah ça fait déjà 4 semaines. Ouais, non, mais ça, je sais, mais j'ai pas eu le temps de suivre. Ça fait un Il petit y a le moment que patch. j'avais pas suivi, je me suis rendu compte que les Rams avaient déménagé. Ah, bah ouais. Un petit moment maintenant. Ils habitent plus à Saint-Louis. Mais non. Ni rame est drôle là-bas. Ils habitent à Los Angeles. Bah en fait, sur le coup, ils ont cru que c'était à cause du climat qu'ils n'arrivaient pas à jouer. Mais en fait, ça n'a rien changé. Si, 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 ils ont battu les. Ils ont battu Tampa. Ouais, ils ont battu sur un match. Eh bah, c'est le début, ils l'ont battu, voilà, c'est tout ce qui compte. Sont pas encore en finale. Bah, c'est normal, c'est le début, hein, ça fait que 4 semaines, monsieur. Bah oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi je suis si faible que ça en termes de micro, moi? Ça, c'est pas normal. J'aime pas Excuse-moi. trop beaucoup ça. Oh, non, va faire dodo, toi. Merde. Merde! Bah ça alors? De quoi ça s'agit? Ah, ça s'agit que je suis en train de me faire baiser sur mon. Sur le truc que je voulais faire. Ça, j'ai presque envie de dire que c'est normal. Là-dessus, voilà. On Bon. est en plein dedans. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, quand il fait. Bon, tu t'en sors là? Bah non. Tampa Bay? Oh là là. Je suis en train de me faire baiser en fait. Alors, tout à l'heure, il se pignole. Maintenant, il se fait baiser. On Parce est où là? que j'avais prévu un trajet et bah finalement on peut pas y Il n'y aller a pas parce de mi. qu'il y est pas. C'est ballot. C'était quoi alors ce trajet?
Bah attends, je regarde vite fait, Ce mais... trajet qui me tease depuis 10 jours. Attends, je vais prendre vite, je vais prendre ça sur ma remorque. Attends, je voulais prendre ma remorque déjà à la base. Je suis dégoûté. Bah on va faire... ah non, l'IDAO, tu l'as pas? Bah non. Bah non. Bah non. Forcément. Ah non, j'ai eu Utah et comment ça s'appelle? Et Washington. C'est déjà pas mal. L'Idaho, ce sera la prochaine fois. C'est le prochain. Et après le Colorado. Ou peut-être, ouais. Ouais, l'Idaho parce que tu l'as. Même si je préfère le Colorado. Et On va après le Wyoming. aller au Japon. Ah, cool. On va aller dans la ville de Yakima. Bah, je vais être obligé. On va être obligé de faire ça, monsieur dame. On va faire ça et puis j'espère que je trouverai la deuxième version. Tant pis. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, on voyage. Vu que ça, c'est des zones t'as squatté qu'en solo, ça en plus. Ah, quand même. Je voulais faire un bon trajet et que j'avais prévu en tête, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est pas Alors, comment on fait déjà? Ils disent que vous ne possédez pas le DLC requis pour cette mission. grave. Oh merde, putain. Attends, tu passes par où toi? Pourtant, Mais Oregon et non, Washington. c'est une question de... C'est une question de... Merde, attends. Je vais faire ça, je vais abandonner. Parce que j'ai un point d'exclamation rouge là. Oui, c'est parce que tu n'as pas le... C'était une grosse cargaison et tu l'as pas. Si j'ai les grosses cargaisons. Oui, mais t'as pas les mêmes que moi, je crois. Oh bah voilà, bah en plus il n'y a pas les mêmes. Ah, c'est pas de ma On faute, fait comment? j'aurais dû l'enlever, mais bon. Que les convois exceptionnels j'ai. Il y en a plusieurs. Alors te dis tous les cités je pourrais pas, mais je sais qu'il y a les hélicos et les maisons. Ça je suis sûr. Mais je pense qu'il en reste au moins une ou deux autres. Mais je sais plus ce que c'est parce que je crois que je les ai jamais faites de toute façon. Ah Voilà. bah on va faire ça. Allez. Voilà. C'est pas ce que j'ai prévu, mais... Non, il n'est pas d'accord non plus. Attends, je viens de lancer un instant. Ah, c'était Spokane. Bah non, mais ça me l'affiche automatiquement, moi. Ah. Pourquoi ça me dit vous me posez le vol d'essayer encore? C'est quoi ce bug? Portion de voie de ferrée. Ah merde. C'est un morceau, c'est des voies ferrées. Oh là là. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu un plateau et j'ai dit c'était bon. J'ai qui les raids encore? Attends, bah, je vais prendre, hop, offre comme ça. Bon, on va faire ça. Ça sera mieux. Tac, allez. Prêt à rouler. C'est bon. Ah, j'attends, moi j'ai rien pour l'instant. Si, ça y est, j'ai mis la mission. Ah bah j'ai rien. Voilà. Ah bah ouais, j'ai rien. Là ça. Ouais, voilà, on est d'accord, là y a Bah, rien. fou de ma gueule, je viens de l'activer. J'ai Bah moi fait ça me dit niente. définir. Niente nada. Bah oui, j'ai fait définir comme destination sur le GPS. Comment ça sur le GPS? Ouais, pourquoi il m'a fait ça, lui? Qu'est-ce qui me casse les couilles, voilà. Mais non, pas... Oh là là, j'ai kiffé des conneries. Offre de traction. Pourquoi ça met C'est de la définir merde. sur le GPS? Je sais rien, moi. Mais ils sont cons, eux. T'es purée. Soyez prudent. Attends. Oh bah, de toute façon, je peux pas faire autrement.
Merde. Pour appeler cet épisode Faux Départ. Ouais. Attends, je vais jusqu'à la société là. Tournez à gauche. Je sais pas pourquoi ils me disent ça, mais. Je vais prendre la cargaison. Bon, tu sais quoi, j'arrive parce que j'ai oublié de brancher mon téléphone pour le charger. Préparez-vous. Donc le temps que tu fais ça, j'arrive. Ok, il n'y a pas de soucis. Tournez à gauche. Ouais. Prochaine fois, je préparerai avant. C'est pas grave, je me suis pris un PV, mais c'est pas grave. Si j'ai fait exprès, c'est parce que je... Je veux pas vous faire attendre en plus. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Je sais pas pourquoi il me fait le truc du définir comme GPS. J'ai l'habitude, il me dit tournez à droite. Qui va, et... Ah, je me frappe. Je vais prendre le truc. La faute à Jackie, ça, je me tabasse. Tournez à droite. Oh là là, je suis tout emmêlé maintenant. Mais c'est quoi ça? Ah, t'as toujours pas choisi encore? À droite. Si, je suis en train d'arriver jusqu'à l'entreprise. Entreprise? Je vais à l'entreprise pour voir si je peux récupérer la cargaison et si ça met en route le coup. Hein. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. C'est ici que ça se termine. Tac. Off de fret. Que je regarde. Je peux vous inquiétez pas, amis téléspectateurs, rien n'est sous contrôle. Tac. C'est sans filet. Et prendre la mission. Et normalement, tu dois l'avoir. Là, c'est bon. Calcaire, Salem, Seattle. C'est ça? C'est bon? Non. Quoi non? Si, c'est écrit 213 miles. C'était pas... Consulter et choisir la même mission. Ah si, c'était ça, ouais. Vas-y. Oh, il sait même pas ce qu'il si, prend. Si, c'est... Non, mais c'est parce que... C'est une double remorque. C'est parce que ça me... Voilà. Ça me trigger comparé à tout à l'heure. Ouah, Asian Food. Voilà. Il y a une boutique d'Asian Food. Je vais acheter du soju. Ah, au fait, j'ai une nouvelle pour toi. C'est quoi? J'ai trouvé comment tu peux allumer tes lumières de toi. Ah merde, si j'allume pas le moteur. C'est F4. Ah, faudra que je teste alors. Bah, fais-le maintenant, on est dans la nuit. J'ai pas le bon camion. Ah, d'accord, super. Je trouve des informations pour lui exprès et tout. Je me ruine la santé. Je me ruine la santé, qui nous dit. Ouais, bah attendez, tournez à gauche. Déjà, je sors. T'es loin ? Parce que. J'en sais rien. Je sais juste qu'il faut que je fasse demi-tour. Ah, t'es là. T'étais dans la société. D'accord. C'est pas à droite, c'est à gauche. Hein. Ouais, je sais. Je viens de te dire, faut que je fasse demi-tour, mais il y a les. Bah, sinon, prends à droite. Et après, tu tournes à droite, tu vas tout droit et tu retournes à droite. Ouais, non. Mais il est con lui! Je suis en train de manœuvrer l'avant! Oh là là! Eh oui! Allez. C'est...
Oh bah oui, bah ton camping-car il est mort là. On s'en fout de ça. Putain, mais des cons, j'avais fini en plus. Tain, voilà, je me suis bouffé 700$ là pour rien. Ah, mais qu'est-ce qui me gonfle, l'IA, pour ça? Putain, déjà qu'il fait nuit noire, on voit que dalle quand on arrive. Et là, tu me laisses pas finir ma manœuvre. Voilà, j'attends qu'on se mette en route et puis j'ai des informations à vous transmettre, messieurs, dames, les trucs. Bon, là, je suis concentré parce qu'il fait nuit noire. J'aime pas la nuit noire. Ah ouais, c'est pas à côté où t'as été chercher le truc. Ah bah c'est une Oui. oui c'est à Salem hein. Ah merde, encore une amende. Je suis passé à l'orange. C'est pas grave, moi je suis passé au rouge exprès pour essayer d'arriver le plus vite possible. J'ai dû me prendre, je sais plus, Ah merde, encore. Je me suis arrêté trop tard. J'ai commencé, voilà, 2000$ déjà. Allez, bim! Comme la dernière fois. Non, mais en plus, je suis pas dégueulasse. J'ai voulu m'arrêter. Bon, j'ai raté un tout petit peu la ligne, certes. Ah ouais, par contre, là, si tu le vois pas, de toute façon, t'es obligé de sortir à droite. Ok, on va tourner à droite. C'est combien ici? Ah merde, c'est encore 50 ici. Attends, ouais, il y a de la circulation, ça va vite. On Il est temps va d'aller calmer un peu. travailler. Putain, tu vois même pas les voitures. Excuse-moi, mais leur phare, ça éclaire que dalle. Ah merde, je suis au milieu. Je suivais pas la bonne ligne. Oh là là. Mais plus on avance dans le jeu, j'ai l'impression, et plus on voit rien en mode nuit. Mais c'est vrai. Mais Attends, j'ai l'impression. on va pas faire nuit longtemps, il est 1h, il est 1h, 1h40 du matin. Ah, c'est déjà ça. Par contre, vu le temps t'as mis à venir et tout ça, que j'étais attendu machin, il y a de grandes chances que qu'on fasse la route pour rien. Pourquoi? Ben, on doit arriver à 10h du matin. Ah ouais! 200 miles? Ouais, c'est Tandax quoi. Alors, elle est où la remorque? Attention, il y a une grille. Ouais, c'est bon, j'ai passé la grille. Elle est sur ta gauche. Non, ça c'est le truc. Attends, la remorque, elle est où? Sur ta gauche, tu dois la voir, là, un peu plus. Elle doit être là. Ah ouais. Ouais, mais. Le problème c'est. Attends. À Ça c'est droite. le cul. Droite. Non, c'est bon, c'est l'entrée, là. Enfin, je crois qu'elle doit être. Je sais pas où ils te l'ont mis, ça. Bah, je sais pas, attends, je la vois, mais comme j'ai Si pas les. ils l'ont mis au même Attends. endroit, c'est à gauche. Hein. Faut que tu tournes à gauche là. Non, il est là l'avant, c'est bon, je suis là. Ah bah ils t'ont pas Ah, mis au même endroit. j'ai l'impression que c'est ça. Mais le truc c'est qu'ils me l'ont Réorientation. collé un truc en béton là. On va essayer de faire ce que je peux. Mais d'après moi c'est ça. C'est bien pour galérer pour repartir, hein, dans le sens inverse alors qu'ils auraient pu très bien te la tourner de l'autre côté mais non. Ok. Donc pour partir, si j'ai bien compris, il y a un chemin là. Ouais. Putain, mais tu vois tellement rien. Oh, mais les mecs, il y a des gens qui viennent la nuit chercher des remorques, éclairer votre terrain vague. Ben c'est fait, ils ont mis un poteau. Un poteau de quoi? Je vois même pas où je vais là. C'est vrai, tu vas où là? Ah bah oui, ah bah y a rien, c'est un cul-de-sac, tu vois, tellement je vois rien en vrai. Ben oui, mais moi j'ai cru que t'allais retourner à droite, t'es tourné à gauche. Oh là 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 là. Mais attends, j'ai pas la remorque là, pourquoi il me l'a pas attelé? Attends, 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 c'est quoi ce Si, bordel? elle était accrochée à toi, je t'ai vu partir avec. Ah putain, oui. Mais pourquoi je la vois pas? Putain, je la voyais pas dans le. Parce qu'il fait Oh là nuit. là. Ah ouais, non mais dans le rétro, je la voyais pas. Oh putain, comment je vais me barrer de là? Oh là là.
Ah bah excuse-moi, je pouvais pas savoir que c'était un cul-de-sac le Bon, truc. bah, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Cause de Michel, vu qu'il là il est parti pour 2 heures de blocage, il sortira J'y peux rien. jamais. En même temps, même si je mets la vue extérieure, je vois rien. Je vois du noir. On va devoir annuler la mission. Je veux l'emmener à Seattle et tout pour qu'il soit content. Il veut pas partir. Mais si, j'y suis presque, attends. Quoique non, j'y suis pas du tout en vrai. Si. Ah mais je suis tellement collé au béton aussi. Hein, je rappelle que je suis en train de faire ça à l'aveuglette. Hein. Oh là là, je vois rien, je sais même pas ce que je fais. Mais camion! C'est parti. Non là, j'avoue que je sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Ah, j'ai un peu de lumière. Ah mais c'est de la merde là, je vois rien. Tu sais que je vois même pas, je vois juste légèrement ma remorque dans le rétro. Ah, de la lumière. Mais T'as une double je peux pas. remorque et l'autre elle est complètement en portefeuille en fait. Bah ouais, c'est ce que je suis en Elle est train de me dire. complètement droite. Parce que. Non, Enfin, mais je peux. Je... en fait, ça fait un L. Ah putain, sérieux? Ouais. Mais je la vois pas comme ça derrière dans le rétro. Putain, mais je peux même pas me voir! Putain, c'est abusé, je vois que du noir. Ah bah c'est mort alors, elle est coincée. Parce que. Attends. Faut que t'avances. Attends. Allez, pousse! Pousse, mon con! J'essaie de te remettre de la lumière. Mais comment elle est là? Elle est mieux. Elle suit le virage. Bah, le truc c'est que je veux pas qu'elle suive le virage, j'aurais voulu qu'elle se remette, mais ça veut dire Elle stoppe. repartir. Elle s'est remis. Ah putain. Avec leur cul-de-sac de merde là, je vais faire comment? C'est parce qu'en fait il faut que tu. Ouais, ok, j'ai compris. Le problème c'est que si j'avance trop après je vois plus rien et je peux pas avancer de toute façon plus hein. Ah ouais je vois rien là, je sais même pas pourquoi je peux pas avancer. Allez. C'était cool. Ah, ça recule, non? Comment ça, dégâts? Je vois rien. Je touche que dalle là, comment je peux faire du dégât? Non, il faut que t'annules la mission. Ah ouais, parce que là c'est de la merde, hein, je le dis. J'ai Là, franchement, annulé la mission. je... Abandonné, ah cool. Non, Ah attends. c'était... Là, Comment? c'était de la merde ce qu'ils m'ont donné. Moi, je tiens à le dire. Attends, vite reviens. Vire-moi cette remorque de merde. Ah non, mais c'est abusé là. Tu vois, je t'avais dit, s'il y avait eu de la lumière, j'aurais vu que c'était un cul-de-sac le truc, je serais pas rentré dedans, j'aurais essayé de partir vers la droite. Moi, je me suis dit, les mecs, ils sont sympas, ils ont fait comme les autres terrains vagues là où ça fait T'aurais pris le tour. ton camion d'habitude, t'aurais allumé ta rampe et tu l'aurais vu. Ouais, ça c'est pas faux, mais c'est celui-là mon vrai camion original. C'est pas originel? Oui. Original. De Original. base. Alors. Je suis tellement dans le noir que même juste pour sortir la SMI, je suis obligé de faire super gaffe. Ah putain, bon, on va faire une. On prend ici directement ou tu veux que je cherche quelque chose d'autre? Bah, s'il y a un truc dans le coin, on peut prendre, ça je m'en fous, à toi de voir. Mais on va pas. Bah attends. Attendez. Bon début, bon début.
On dirait que ça commence bien, non? Bah, j'ai envie de vous dire oui, moi, comme d'habitude. Ce serait pas les aventures de Jackie Michel, sinon. C'est Ah, ma tête vrai. derrière. Je me sens mieux. Ah ouais, non, mais là, franchement, non, ils ont abusé. La remorque, en plus, en sens inverse, je trouve ça un peu salaud. Alors qu'ils auraient pu très bien me la donner dans le sens où t'es. Hop, et prêt à partir. Mais non, genre, les mecs, je sais pas, moi. En même temps, ça représente la vraie vie. Parce que j'ai l'impression que dans la vie, c'est pareil, il y a toujours des décons qui font des trucs pour au boulot pour que ça te rende la tâche plus compliquée. Alors, Bah là, c'est un peu pareil. ah, fait chier, j'ai peur que. J'ai des tubes carrés, mais j'ai peur que. Attends, on va Bon. faire ça. Commencer la livraison, on va voir s'il l'a pas. Ce que j'allais dire, ouais. Non, Prochainement. je l'ai pas. Tu l'as pas? Bah attends, j'ai un point d'exclamation, donc ouais, DLC. D'accord. Ils disent pas quel DLC? Non, attends. On y va. Non. Prochain coup, j'aviserai. Je le virerai directement. Ça évitera que. Non, parce que moi c'est écrit plateau, livraison standard, donc j'en sais pas plus. Comme je peux pas rentrer dedans dans celle-ci, je peux même pas voir ce que c'est la mission là. Je vois juste la zone. Non, mais elle était bien cette session. Ouais, je C'est une fais. bonne session TTS. Je me rappellerai de Washington. On va faire ça, on va prendre ça, c'est du. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des fruits secs. Ah, Tacoma des fruits secs. Ah bah non, il me dit non. Quand tu peux pas? Non. DLC. Oh non, non, Allons-y. c'est pas possible. Sac d'émission DLC en fait maintenant. Putain. Mais c'est quoi ton DLC là? Le truc, c'est pas que des comment dire livraisons exceptionnelles. Ben non. T'as acheté 50 DLC ou quoi? Y a rien, c'est que des fruits secs dans des camions que tu peux transporter. Ah ouais, je sais. Ils disent que c'est remorque bâchée, fourgon, frigorifique, isotherme, porte-conteneur. Ouais, et ça, t'as pas? Bah non, j'en sais rien, moi. Oh Je sais même là pas c'est quel DLC, ça. Je t'avoue que je me rappelle même plus c'est quel DLC pour ces conneries. Ah non, il y a des trucs, des fois, c'est tellement pas précis en plus dans les DLC, dans les DLC que tu sais même pas à quoi ça correspond des fois exactement. T'as les trucs en très gros, quoi. Je peux pas, moi, choisir quand on est dans le même truc, genre choisir une mission et. bah vas-y, essaye. Alors, off de traction, c'est ça? Ou contrat Ouais. externe? Non, contrat. Déjà, tu fais contrat externe. Comme ça, on a le temps qu'on veut. Et Alors, marché du travail, contrat externe. Alors, tu veux quel genre de truc? ah, ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à branler. Là, ça commence à Non, me saouler. Alors. je cherche surtout une zone pour aller vers le nord. Alors, Sacramento, Winnemucca, Ontario, The Dalles, Lakeview. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a? C'est où, Winnemucca? Bah, tu Non, cliques c'est pas dessus, tu vois la route. bon. Ouais, c'est pas bon. Ça, c'est Pour la en prochaine rayon. fois, il n'y aura plus ces problèmes-là parce que Je vais désactiver. je vais te demander tes DLC. Enfin, je vais regarder les DLC que tu as. Ah, mais j'ai que de l'Oregon, Oregon ici. Et je vais enlever. Tu l'as. Ah, Si parce tu veux, que. j'ai un Salem Portland, on peut se rapprocher. Non, On va voir. Washington, tu l'as pas mis. Bah si, normalement il est activé. De toute façon, j'ai les villes et tout maintenant sur ma carte. Genre l'Idaho et les autres, je les ai pas. Hein.
D'accord, J'ai donc pas. Ils sont vides, j'ai juste le nom de l'État sur certaines bah, cartes, c'est mais pas sans. normal, normalement tu devrais y aller, tu devrais avoir des trucs qui vont directement en fait. C'est pour ça, je t'ai emmené au. Je t'ai emmené. Bah non, là on pouvait aller à Seattle. Bah ouais, non, mais là j'ai zéro mission qui y va, quoi. Attends, je vais regarder comment ça s'appelle. Genre Off the traction. Off the Traction, ouais, pour voir si ça m'en met des missions. Pour te dire Tacoma, Tacoma. Ouais, j'ai Seattle, tu vois, dans les trucs. J'ai Carlsbad, Seattle. Donc j'ai bien. Mais pourquoi, par contre, dans les offres de traction, t'as. Attends. C'est quoi ce bordel? Genre, il faut qu'ils te disent, il faut aller chercher ma remorque là-bas, tout en bas. Ils sont fous, eux. Ah oui, parce qu'il faut choisir ton point, c'est ça. Ouais, il faut que tu cliques d'abord sur le point où tu J'avais es. oublié. Alors, Oregon, Oregon, Washington, j'ai Spokane. Salem Spokane. Ah bah Qu'est-ce que voilà. j'ai d'autre? Bah de toute façon, tu voulais aller à Spokane, on n'a plus le temps, Bah, on y va tout attends, de c'est suite. débile, je les ai les tubes carrés, moi. C'est pas grave. Non, mais c'est ce que t'avais choisi comme mission, on est d'accord ou pas? Ouais. Sinon, C'est pas grave, j'ai vas-y, prends Spokane, on est parti. Wanachi ou Non, 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 je Port veux. Spokane, c'est bien. Tu m'as dit en début de session et même en off que tu voulais aller à Spokane. On a la Alors, possibilité d'aller à Spokane. Spokane, on va à Spokane. Prends Spokane Bulldozer, ça rapporte 21 000 dollars, l'autre c'est 16 000, j'en ai deux. Comme tu veux, je m'en. Franchement, C'est la même merde. je suis plus à ça près. Alors c'est quoi, définir comme destination sur le GPS? Parce que j'ai ça, j'ai pas accepté la mission. Ouais, je crois que c'est ça. Prêt à rouler. Ouais, ça me met rien. J'ai une mission là ou pas? Non, ça a pas activé de mission. Si, si, normalement, ça t'a mis une route. Bah non. Tu reviens en jeu Mais je suis revenu en et jeu, t'as j'ai le rien sur chemin, le GPS. non? Et quand je reviens sur le truc, j'ai pas de. C'est quoi ce connerie? Bah pourtant si, il est activé là. Je le vois sur la map. Et pourquoi je vois pas la mission? Sors du terrain, peut-être? Ouais, je vais voir parce que là. Oh, il fait jour. Ah, ça y est. Ok. Alors attends, je veux juste regarder la map. Pour voir où ça m'envoie pour aller chercher la remorque. Ouais. C'est ouf. C'est à côté. Bah ça, attends. Là, ça me fait revenir ici. Il m'envoie la station essence pour revenir ici. Fous ma gueule. On est d'accord ou pas? Bah Il se fout de moi. si te fait revenir ici, on fait marche arrière, on va sur le point et puis. Bah c'est ce que j'allais dire, je fais demi-tour ici là. Fais marche arrière, c'est bon. Bah attends, je me retourne quand même. Excusez-nous hein, pour la gêne occasionnée, mais c'est ça hein, les aventures de Jackie Michel, il y a du. Ah, c'est une n'importe quoi, c'est C'est normal. une aventure. Ok, il m'a dit tourner à gauche. Bah voilà, il me dit juste c'est Voilà, terminé. prends la mission. Ah putain, faut la choisir ici. C'était quoi, contrat externe ou non, traction? Je sais plus ce que t'avais pris. Ah, C'est ça, Spain. faut que tu prends le truc et après je j'irai dans convoi Ah, et. on va prendre une mission. Ok. Moi je Ah bah je dis. crois bien. Parcourez les convois en cours et rejoignez vos amis, effectuez. C'est ça. Clique dessus. Consulter, choisir la même mission. Ouais, bah au moins là ils t'ont mis le bulldozer normal. Prendre la Oh. mission. Attends, Ils l'ont merde. mis dans Bon, bah tant pis. le bon. Ils l'ont mis dans le bon sens là. En haut, je pouvais changer, mais tant pis. Il est temps de prendre la route. Ok, vous m'avez mis là-bas. Tournez à gauche. Nous y Non mais sommes, c'est vrai, 5 c'est des secondes. aventures. Mais faites pas peur comme ça, vous. Malotru. Quoi?
Bah t'as vu comment t'es passé comme un fou furieux? Oh non! Ils t'ont mis la... Ils t'ont mis la remorque? Ouais, mais normalement elle est moins chiante cette remorque. Non, 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 j'étais coincé dans le tas de sable. Ah putain. Déconne pas, Jackie. Prêt à rouler. Vas-y mon bon Michel, on est parti. Attends, t'as toujours pas pris ta remorque? Bah non, j'étais J'ai eu le temps de me coincer dans le sable, avoir une frayeur, réussir à faire de mon demi-tour, me prendre ma remorque et je suis déjà en route pour repartir. Ah voilà. Bah non, mais j'étais mal mis en fait. Oh les jeunes de notre temps. De mon temps c'était déjà pris, hop, hop, parti. Là les jeunes, oui. Mais qu'est-ce qu'il me raconte le vieux? Il me fait venir dans des coins paumés en pleine nuit, on sait pas pourquoi. C'est un chantier, Ah, le jeu, il fait des trucs genre, il y a l'émission tube, quand c'est toi qui la prends, j'ai pas le droit de la faire, et si c'est moi qui la prends, on a le droit. Attends, c'est quoi comme remorque, deux secondes? C'est un plateau. Tournez à droite. Ouais, non, mais c'est un plateau simple, voilà, ouais. C'est ce que je voulais savoir. Ah oui, t'as pas de... J'ai pas les noms, mais tu les as pas. Ouais, y a pas l'articulation. Ouais, voilà. Non, mais parce que sur le truc, ça avait pas l'air à ça. Fais gaffe, y a la grille, hein. C'est pour ça que... Je la connais. Non, mais je le rappelle, parce que comme t'es en train de parler, il suffit des fois... T'as beau connaître, justement. Je suis venu ici trois... Je suis venu ici quatre ou cinq fois, je me la suis pris trois fois... Non, sérieux. Bah, en pleine nuit, t'arrives, tu vois même pas le bazar et bam. Je suis arrivé en pleine nuit, moi. Ouais, mais. Bon, voilà. C'est la grille. Tournez à gauche. Bah, je me méfie, la dernière fois, il y a une voiture qui a pop. Alors que j'ai regardé à gauche, à droite, et d'un coup, comme par hasard, au moment où je tourne, il y a une voiture. Et après, il y a un camion qui a pop dans la foulée. Oh, la police. Bon, bah, ça y est, on est parti. Direction Spokane. 400 miles, c'est qui bien. Ont des... Qui ont la, ouais. la couleur... Enfin, leur déco, on dirait Subaru Impreza, mais... Mais non, c'est... T'as de l'essence? Ouais. Ok. Je préfère demander, parce que avant de tourner, comme il y avait une station... Il y a un feu ici, il est quelle couleur? Non, c'est pas un feu. Ah non, c'est plus loin. Est-ce qu'il y a un feu? Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Ouais, comment je tiens la gauche vu que bah c'est là, une ligne? Tu te mets dans... Moi je m'en fous, je me mets sur la ligne continue. Tournez les mecs, à gauche. Pas, ils peuvent pas venir. Bah ouais, mais normalement tu coupes pas une ligne continue pour te placer. Bah les steaks. Chez moi c'est comme ça, je respecte. S'il n'y avait pas les pointillés, je ne change pas, pour moi c'est pas une voie. On peut pas l'emprunter. Mais la continue, t'as vu, elle était ouverte. Ouais, vite fait ouverte au début quoi. Enfin, elle est ouverte dans le milieu. Ouais. Un peu mal branlé le truc. Allez! Enfin on est parti! Non. Il y a un feu, non, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un feu là. Ah c'est bon, c'est vert. Non, c'est orange. On s'en fout, on tourne à droite. Ah non, il est après, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Bah moi j'étais au milieu. Non, rendez-moi mes heures de sommeil, ah, moi j'ai envie. Je fais le feu rouge, tant pis. C'est bon, je sais. Voilà, j'ai essayé d'avancer en mode ralenti le temps que tu repasses au vert. Alors, 25 dans le virage. Non, mais il faut se lancer. Voilà, on est parti. Le début était... Ouais, il était capricieux. Périlleux. Mais Ça y est, non mais voilà, on est lancé. Cette fois-ci, normalement, c'est bon. Non, c'est... Alors, c'est quoi? C'est 55 ici? Attends, tu t'es mis des yeux dans la voie du milieu? Ah ouais.
Oui. Quand ils me disent de me mettre sur la voie du milieu. Il y avait un camion, donc je me suis inséré avant qu'il arrive. J'essaye de prendre de la vitesse. Ouais, moi aussi, j'attends d'être de prendre ma vitesse, de mettre le régulateur de vitesse. Et je vais vous faire part d'informations relativement importantes. Donc moi, je me mets sur la couchette et je vais me coucher. J'ai mis la conduite automatique. Ah oui. Mid-drive. La fameuse dans les Simpsons. Bah moi je me suis mis sous le capot, comme Homer. Bah comme Homer. Alors. Normal. Je vais vous faire part d'informations importantes. Vas-y Jackie, on t'écoute. Concernant le monde de American Truck Simulator. Alors, American Truck Simulator est un simulateur de camion. Non, je déconne. Wow. Alors. Oui. Un simulateur d'un camion où on conduit des camions. Donc, j'ai mon papier devant moi. Donc, dans une interview du PDG. Le mec, il a des papiers devant lui, il se prend pour un journaliste. Il y a de ça, sinon j'aurais pas retenu. Il y a de ça. Fais gaffe, on va sortir tenez là. Tenez la droite, puis tournez à droite. Je t'annonce. Ouais, il est. Oh, regarde un télésiège. Un téléphérique, pardon. Mec, il se rose qui est. T'as pas vu le téléphérique ? Non. C'est dommage. Il y a de ça un mois. En même temps, je savais pas où il fallait regarder. Donc il y a de ça un mois, le PDG de American Truck. NC Soft. Et de. Ouais. C'est quoi leur boîte déjà ? C'est ça, c'est NC Soft. SCS Soft, je crois. Ou SC Soft. Je sais plus. Ouais, moi donc, je retiens ces soft. Il a dit que dans de futurs DLC et de futurs. Regardez comme c'est bon. Oh, on a une belle vue d'ici. Hein. À droite, petite baie et tout. Baie, il y a le pont à droite. Là à gauche. Vous voyez les petits ponts, les machins. Donc, il a dit qu'ils vont faire une. On doit aller à droite. Ils vont dans deux futures mises à jour, pardon, ils vont travailler sur les où ils sont déjà en train de travailler sur les entreprises. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Où on va pouvoir gérer. Alors, est-ce qu'on peut inviter des amis dans notre entreprise? Je ne sais pas. C'est marrant, plus j'en ai parlé la dernière fois et tu m'avais dit ouais, mais non, je sais pas, c'est pas priorité. Ah bah oui, j'ai pas dit que c'était la priorité, j'ai dit qu'ils sont en train de travailler dessus. Ouais. Mais il en a fait juste... part. J'en avais parlé. Donc, sur les entreprises, donc avec meilleure gestion, enfin gestion plus poussée en fait. Pardon. Donc gestion des camions, des remorques, des employés, enfin tout ça meilleur hein, comparé à ce qu'on a maintenant. À peu près une vraie entreprise comme on pourra voir sur Truckbook. Meilleur suivi. Peut-être invitation de comme il y a le truc qu'on voit, invitation de personnes, peut-être, je sais pas. Ce serait cool, ouais, ça. J'ai pas fusion vu des trucs. Deuxième chose, où ils sont en train de travailler dessus, les saisons. Ah, pas mal ça. Donc je pense qu'ils veulent travailler sur les saisons en direct. Bah c'est ce que j'allais dire par rapport à la date de l'ordi par exemple. Ouais, un peu comme Animal Crossing. Ouais. C'est-à-dire que... Là, c'est ça. Tenez la gauche. C'est-à-dire que là, comme on... Oh, j'ai failli... Oui, tu es legit. T'as failli rater la sortie? Non, j'ai failli embarquer un mec qui était en train de me doubler. À chaque fois qu'on me dit « rabats-toi », il y a toujours un mec. Sur le côté. Ah, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. En plein dans l'angle mort, quasiment. Et donc oui, ils veulent incorporer les saisons, donc pour avoir en hiver de la neige, rouler sur dans des conditions extrêmes, enfin dures et tout ça. Tenez la droite. Bon, finalement, je reste à droite. Avoir l'air, l'automne, l'été, le printemps, avec tout ce qui en découle,
au niveau des États-Unis. Alors, je sais pas s'ils vont mettre la période des tornades, je pense pas. Mais tenez la gauche. Ils vont mettre la période où il fait des mauvais temps, des trucs. Voilà. Reste concentré parce que ça fane beaucoup dans le coin. Pire qu'un circuit automobile. Les changements de voie là. Et donc voilà. Et la dernière information. On a à peu près une. On a eu sur ça dans un live. Ils seraient en train de travailler sur un. Donc ils sont en train de travailler sur un nouveau DLC de cartes. Et apparemment, d'après ce qu'on a pu entendre vite fait entre deux conversations, voilà, entre deux phrases. Un tunnel. Non. Le tunnel, c'est pas un état. Ils sont en train de travailler sur le prochain DLC qui serait, attention mesdames et messieurs, à votre avis. Bah moi je dis soit sur vers l'est. Ah, je peux contourner la pesée, tu me diras si t'as la pesée au cas où. Soit au nord j'ai du la Texas. Moi je dirais Alors attends, je m'arrête, je passe, voilà, j'ai pas mis mon clignotant, tant pis. C'est pas très déguis tout ça. Alors attends, la pesée c'est où? C'est à droite, tu passes à gauche. Voilà, ouais non mais c'est bon. Voilà, comme ça je t'attends. Donc ouais, je sais plus moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir Eh ben je vais te le dire. Attends. Pendant que tu fais ta pesée, je regarde la ça carte. Va, c'est fait. Attends, non mais je voulais voir la carte. Ah, ou des zoos. Alors là on a l'Idaho, Wyoming, Colorado. Bah je dirais soit... Moi je dirais vers la droite. Vers du la Colorado droite. Ou de... De merde, je viens de le dire, du Wyoming, non? Parce que comme il y a le Texas, soit on rattrape le Texas. Putain, je peux pas dézoomer plus? Ah merde. Bon bah tant pis. Allez vas-y. Parce qu'en plus j'ai pas les noms, il doit y avoir le Takuta. Il y a un mec qui est garé derrière toi. Et il a klaxonné. Bah laisse le klaxonner. C'est bon alors on est parti? Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, c'est quoi alors l'état? Vas-y, la réponse. Le Montana. Ah bah voilà, donc c'est bien ça. En haut. Tout en haut. Ouais, tout en haut, à droite. Non, tout en haut, tout en haut. Oui, donc de l'Idaho par là. Au-dessus de Colorado et autres. Ah, plus à droite. Au-dessus de... C'est quoi? C'est la côte du nord et du sud qui vont au même niveau à peu près, je crois. Dans ce... Je crois que c'est au-dessus du Wyoming. Non, pas du Wyoming, au-dessus de l'Idaho. Ah non, au-dessus de l'Idaho, c'est le Canada, monsieur. Ah non, au-dessus de l'Idaho, c'est le Montana. Et au-dessus du Montana, c'est le Canada. T'es sûr? Oui, c'est... Ah, plus à droite. C'est Washington, Washington, Montana. Ouais, j'y crois moyen, ça, monsieur. Si, tu regarderas au-dessus de ta... Ah oui, monsieur, je vais regarder. Bah là, tu peux le faire en roulant, t'appuies sur Y. Pas sur Y, sur point d'interrogation. Et tu rappuies pour dézoomer. Ou non, t'appuies sur Tab, je crois, pour dézoomer. Et tu, oh là vas là voir, là. Tu vas voir qu'au-dessus de l'Idaho, il y a un trou et c'est le Montana. Ah oh. J'ai trop dézoomé, ça m'a rezoomé. Oui, c'est ça, c'est à droite. Oui, non, mais c'est à droite, c'est pas au-dessus. Parce que c'est. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait ce connard avec son grand camion? C'est. Comment dire? C'est à. Il avance pas! C'est à l'est, c'est pas au nord de Washington. Non, c'est à droite de Washington. Ouais, voilà, mais tu m'as dit que toi c'est en haut. Ah oui, je t'ai dit Washington. Non, tu m'as dit au-dessus, c'est Canada, mais quand je t'ai dit Washington. Oh là là, tu vas toucher le camion! Quel camion? Qui est sur ta gauche? Mais non, je suis dans ma file. J'ai eu peur, je l'ai vu trembler le gars. Je suis dans ma file. Si, je l'ai vu.
Non mais là tu m'as perturbé avec ton histoire en, en haut. Mais qu'est-ce qu'il fait le connard avec son camion là? Je sais pas où il est ou quoi. Et tu vois, on l'a entendu dans le... Tiens, j'ai découvert un nouveau mec. Ta gueule, Jackie. Mais c'est pas moi, c'est le mec avec son camion. Hein. La CB est balance. Tu vois bien que j'ai passé de volant. Ah mais c'est toi, tu m'as perturbé là avec tes histoires d'en haut du Washington. Je me disais bien, c'est la frontière avec le Canada, Washington. T'as qu'à... Mais oui, bah donc, et Washington, et à droite, t'as... Oui, à droite, mais pas en haut, pas en haut, voilà, parce que le Montana, et c'est aussi une frontière avec le Canada, c'est mais ça. Plus à droite, plus vers l'est. Mais le Canada, on l'aura pas tout de suite, hein, s'ils le font. La map, elle est tellement grande que... Bah, t'as vu le nombre d'états qui restent à faire encore. Autant qu'ils fassent les états à droite, autant qu'ils terminent les États-Unis et après... Là, s'ils sont partis, après, je pense qu'on aura Canada et Mexique. Et est-ce que, d'après toi, genre Dakota du Nord et du Sud, comme c'est des petits états, est-ce qu'ils nous les fileraient ensemble? Parce que c'est petit si tu as l'air de la map. Comparé aux autres régions, à moins qu'ils te les fassent payer moins cher, sinon. Non, ça se peut qu'ils te fassent le DLC Dakota. Ouais, Dakota, parce que il y aura pas beaucoup de villes, quoi, je pense. Mais le Montana, par contre, c'est cool. Parce que le côté un peu montagneux, neige, ça peut être sympa, ça. Surtout avec l'implémentation des saisons. Donc avec l'hiver et tout ça, l'hiver dans le Montana, on aurait les convois de l'extrême. On va se croire surtout dans Red Dead, ouais, en mode camion, à la place des chevaux. Ouais, comme dans la série... Enfin, la série, c'est... Enfin, les missions qui est au Canada, là, les... Oui, les trucs de l'extrême, ouais. Bon, après, si tu veux faire ça, tu joues à Spin Tire, c'est pas ça? C'est Snowrunner et Mudrunner. Ouais, mais ça fait pas partie de la licence Spin Tire, ça? Une idée. Semble, je crois. Mais ouais, Mudrunner, ouais. Mais Snowrunner, apparemment, alors, c'est des bruits de couloir à prendre avec des pincettes. Mais apparemment, il serait en train de travailler sur un autre jeu. Ah, jeu de quoi? Jeu de camion. Ouais, mais dans quel style? On voit de l'extrême. Ça s'appelle... Ah, ils veulent faire leur Mudrunner. Alaska Truck Simulator. Ah, ils vont faire en fait la version Mudrunner ou Snowrunner. Eux, ils vont faire une version pure simu. C'est ça. Parce que je sais plus, le Mudrunner... Ouais. C'est conduite sur de la glace. Mais encore, ouais. c'est des bouts de couloir et c'est des informations pas. Parce que Mudrunner, si je m'en rappelle bien, j'ai un doute, mais il me semble que c'est toi qui décides vers quelle orientation tu veux donner au jeu, soit un peu arcade, soit un peu simu. Je crois que c'est pas une simu pure, quoi, il me semble. J'ai une idée, je sais que c'est un. Comment on appelle ça? C'est un truc à base de. C'est à base de boue, conduite réaliste à base de boue, je sais pas trop quoi. Et ils ont fait pareil avec Snowrunner, mais... C'est des convois de l'extrême, mais... Ah, pas forcément, bon. Je crois que tu peux avoir des 4x4, des trucs comme ça, donc... Ouais, mais c'est pas l'intérêt du jeu, quoi. Regarde! L'intérêt, c'est les convois, normalement. À gauche! Là, on a une belle vue. Il y avait de l'eau, et sur l'eau, elle était dégueulasse blanche, on aurait dit un peu de la glace, mais... Ça me faisait penser à un genre de lac artificiel. Ah, peut-être aussi. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Salaud. Le Michel qui se rabat comme un gros sale et qui fait une queue de poisson à la voiture. C'est faux, j'avais mis un clignot. Ah non, la voiture elle a dû freiner, je l'ai vu. Bah, c'est eux qui avancent pas. Le mec qui s'amuse à faire des dents. Il y a un accident. Il y avait un accident. Et alors? Bah alors? T'es plutôt clignotant, tu doutes pas comme Je te signale que j'avais mes clignotants. Tenez la droite. Ah merde, il va falloir sortir. Sortez à droite. Moi je suis à droite. Tu ralentis et tu te rabats. Vas-y, je te laisse de la place. Sortez à droite. Oh là là, le salaud, j'ai dû prendre la voie d'arrêt d'urgence.
Oh le Michel toi. Ouais non mais ça va pas garder ça va pas garder son permis longtemps ça. Alors par contre j'avais entendu pareil à prendre avec des pincettes qui voulaient incorporer une école de conduite dans le jeu mais on a toujours pas de nouvelles. Ah oui c'est vrai on en avait parlé de ça avec j'ai essayé de trouver une roadmap pour l'année prochaine de ce qu'ils proposeraient j'ai pas trouvé donc on ne sait pas ce qu'on va avoir comme DLC par contre le DLC Texas ne sortira pas de la pesée. Je dois encore faire de la pesée ouais. Ah toi aussi ? Ouais. Le DLC Attends, Texas ne sortira pas. Enfin, il y a des grandes chances qu'il ne sorte pas en fin d'année. Recalcul. Il y a déjà un camtar. Avance. Bah attends, il se fait peser. Alors on a foutre moi. Il met pas une semaine. Ouais, il y a des grandes chances que le Texas débarque en début. Voilà. La pesée, ça prend 3 secondes, pas une heure. En début d'année. Pourquoi il est sorti, lui ? Ouais. En même temps, Wyoming, sur ta gauche. Ouais, je l'ai vu. Ouais, mais on est qu'en octobre, hein. On est encore novembre-décembre. Oui. Bah, ça va. Si t'as genre un état tous les 3 mois, c'est pas abusé, quoi. Bon, il faut qu'ils bossent quand même dessus, sachant que j'imagine qu'ils ont seulement commencé, qu'il a fallu fignoler un peu le tableau. Non, je pense qu'ils ont plusieurs équipes. Tenez la gauche. Bon, pas forcément, après tu fais de la pré-production. Je pense que t'as une équipe qui. S'ils ont 2-3 équipes, t'as une équipe qui fait Texas, une équipe qui fait Wyoming. C'est pas, ça dépend de l'homogénéité de ton équipe quoi. Et quand c'est fini, ils partent sur un nouveau truc. Je pense que sur un tableau, ils ont peut-être un. Il y a beaucoup de sable dans le coin. Ils ont, tenez ils la ont, droite, tu sais, ils ont des... sortez à droite. Fais gaffe, arrive pas trop vite là quand t'arrives parce que ça peut être un peu sortez raide. Sortez à droite. Si t'arrives trop vite. Tu sais, ça se peut qu'ils ont un tableau avec plein de trucs écrits dessus, genre DLC, machin, tout ça, et dès que t'as fini, bah tu prends le prochain. Ouais, ça se peut. Tu travailles sur ce que tu veux. Je sais pas comment ils fonctionnent. Bah, je peux pas te dire, ça dépend de la taille de l'équipe déjà, parce que ça dépend de ce que tu possèdes dans ton équipe aussi. Parce que bon, il faut des mecs qui font les graphismes, des mecs qui font le certains trucs. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu peux avoir besoin spécifiquement après. Des mecs qui vont faire du repérage aussi. Donc je sais pas. Moi je me dis peut-être qu'ils ont un système un peu. On se la joue, tu sais, en mode par phase. Du repérage ? Bah oui. Tenez la gauche. Bah j'imagine qu'ils connaissent pas tous les états par cœur, ils ont pas passé leur vie dans les états. Ah oui, non mais maintenant avec Google Maps... Putain. Je veux te dire, tu me fais faire des conneries. Avec oh putain, j'ai trouvé de justesse. Avec Google Maps, t'as même plus besoin de te déplacer. Ouais mais c'est pas pareil. Je sais que généralement dans les studios, les trucs comme ça, ils aiment prendre leurs propres photos. Parce que le truc c'est qu'en plus ils prennent pas. Ils recréent pas tout. Tu sais, donc ils cherchent certains points genre stratégiques qui les intéressent pour essayer ah oui, de les recopier. À la base ils prennent les monuments. Tenez la gauche. Donc je pense quand même qu'ils se déplacent pour se donner une idée, parce que comme ils réinventent certaines routes, vu que c'est pas les tracés exacts, je pense quand même qu'il y a un travail de pré-production sur le fait, genre les gars, ouais, on prend quelle ville, l'état, tu sais, je pense qu'il doit y avoir toute une réflexion autour de ça. Bah,
oui, ils ont ils ont la taille d'une ville, ils ont la taille de l'État, ils savent tenez les la routes, gauche. Ils font combien entre telle et telle ville. Mais comme eux, ils ont une échelle de... Je sais plus c'est quoi leur échelle. C'est pas du 1-1, c'est du 1 sur... Ah bah ouais, ça je vois que c'est pas du 1. Hein. Je sais plus combien. Mais avant, il y avait avant ils ont changé leur échelle, hein, parce qu'avant c'était plus petit. Quand le jeu est sorti, c'était plus petit. Là, ils se foutent de ma gueule, par contre. Je peux encore poser. Mais moi aussi. Non, mais c'est moi ou c'est abusé, là, en dessous de notre gueule. Recherche d'un nouvel itinéraire. Là, on se fout de notre gueule. De peser, genre, sur un miles. Non mais je sais que j'ai fait une petite connerie, j'ai traversé un peu dans le sable, je me suis rattrapé certes, parce que j'étais en train de parler à Vetter, j'écoutais au lieu de regarder la route. C'est vrai, j'admets. En plus ils sont en train de travailler sur une refonte graphique de... Enfin une refonte de quelques trucs. Que ce soit la Californie... Ouais, ça c'est cool par contre. Et l'Arizona, je crois. Vu que c'était le premier DLC qu'ils ont sorti. En plus, je crois qu'ils sont. En plus, ils améliorent, ils essayent d'améliorer le moteur graphique, tout ça. Donc. Il faut voir comment ils travaillent parce qu'ils ont ETS2 aussi, donc est-ce qu'il y a une équipe spéciale, est-ce qu'ils ont des équipes spéciaux pour ATS et ETS ou... Ouais, je pense que c'est des équipes différentes, ça. Après, je pense, hein. Oui, je pense aussi, mais... Pour moi, ça me paraît plus logique, ça. En termes d'écoute sur les retours joueurs et tout, je pense que c'est plus simple d'avoir une équipe spécialisée dans l'un ou l'autre. Oui, aussi. Bon, si tu travailles un peu sur les deux, mais tu sais pas trop ce que tu fais vraiment sur la globalité, c'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui va ou ce qui va pas. Ah oui, complètement. Mais oui, ouais, mais je suis sûr qu'ils sont en train de travailler sur plein de choses qu'on n'a jamais entendu parler. Et que... Bon, ça c'est plus que probable, ouais. Je pense qu'ils ont énormément d'idées de façon mise de côté en se disant tiens peut-être un jour ça pourrait être sympa. Oui. Bah, de toute façon il y avait même un truc on avait vu sur la vidéo de la roadmap 2021. Bon, après on peut se dire ouais. Vous avez dit qu'ils travaillaient sur le trafic IA. Ouais, ça, ce serait bien. Ça. On l'a pas encore eu. Non. Mais je crois, mais ça, que, je crois en la vidéo que je t'avais fait voir là, parce ouais. que on a eu beaucoup de ce qui avait écrit, ce qui avait été dedans. Le multijoueur, donc le convoi, le Texas. Enfin, les deux états qui sont arrivés. Ah, je vais sortir en mauvais côté à cause de toi. Putain. Je vais mettre la voiture devant. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti toi? Non, je suis encore sur la route, mais les connards qui savent pas rouler. Une voiture? Qu'est-ce que tu t'es mangé? Ah, rien, hein. Les mecs. Ils s'insèrent pas, ils se sont tous arrêtés. Ah oui. Ne conduisez pas bourré, non. Et forcément, le mec qui était juste devant moi, il freine au dernier moment pour dire bah devant il y a du monde, on va s'arrêter. Et sur la voie de gauche, il y a un mec qui roule tranquille au lieu de se dire je me décale. Bah je me décale et je laisse passer tout le monde quoi. Quel enfoiré. Ah. Juste quand tu parles de l'IA. Juste quand je parle de l'IA, c'est vrai. Allez, on est presque au bout.
Encore une trentaine de miles. Putain, je te vois plus. On est presque à Spokane. Je te vois plus. Bah, je t'avoue que moi non plus, je te vois encore. Je vois juste le bas de ton pseudo tout au bout de la route. Tout au bout de mon GPS, je vois ton écriture et. Tu me vois au loin. Ah bah. Ouais. Bon, on va bientôt se retrouver. Ouais, je tiens la gauche. Non mais en plus j'ai fait quelques conneries, hein. J'ai rattrapé de justesse. Non mais là il faut que je finisse entier. Le dernier épisode quand même j'ai fini à l'envers. Et donc ouais, j'ai envie de voir curieux pour les entreprises. Bah j'avoue quoi, moi aussi ça c'est. Je peux pas être curieux des DLC parce que je me dis que. Enfin des DLC des états. Parce que je me dis que quoi qu'il arrive, ils le sortent. Et si je veux, tenez la gauche. Si je veux voir des images d'un état précis, je vais sur Internet, sur Google Maps, Google Street View et tout ça. Je peux me promener dans les états. Donc ça encore, je m'en fous, je m'en bats un peu les couilles. Les camions qui avancent. Je suis content, je suis content qu'ils en mettent parce que mine de rien, la promesse qu'ils nous ont sorti au début du jeu, c'était l'États-Unis en entier. Ouais, mais en quelle année? Bah, le jeu est sorti en 2016. Il y a 5 ans, ouais, déjà, quand même. On est à quoi? Une dizaine d'États, à peu près? Wow, c'était pas le moment d'avoir des lags. Putain, il y a bouchon. Ouais, non, j'ai cru qu'il y avait un accident au début, mais non, il y a un bouchon, putain. Ça, c'est toi, ça. Ah, non. Moi, il y a du monde devant moi, t'as justement. Tu as dû couper des trucs au mec et... Ah, pas du tout, je suis resté tout le temps dans ma droite. Ah non, j'ai freiné, franchement, j'ai même pas essayé de doubler le camion devant moi. Et je l'ai joué. Non, mais quand je vois ce qu'il y a. Non, mais c'est qui le débile qui a mis un arbre là au niveau de la sortie pour qu'on voit pas les voitures qui arrivent à droite? Quand je vois ce qu'ils ont proposé pour ETS2. On est en 2012. Enfin, ils sont sortis en 2012. Parce que j'avais 12, il y a un problème là. Ils ont la France. Ils ont l'Angleterre. Ils ont l'Italie. Ils ont beaucoup, ouais. L'Allemagne. Ouais, mais c'est ETS, ouais. Je trouve que pour moi c'est très simplifié quand même comparé pour ce que j'y ai joué de mémoire. Et là, ils sont encore en train de faire des DLC. Donc je sais pas ils retravaillent d'anciens DLC hein, parce que là ils ont fait des routes et des machins sur Iberia. Il y a eu Viva. Ouais, non, mais c'est pour ça ils ont retouché après. Il y a parce eu que Viva, Viva Italia il y a pas longtemps. Parce que les trucs de base c'est quand même très simpliste hein, les routes. Genre la France, tu reconnais la France, mais. C'est parce que voilà, c'est juste ils ont pris des trucs de base à l'époque en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ils t'ont mis des ronds-points partout, ils t'ont mis de la verdure, ok quoi. Ouais, tu reconnais le nord de la France. Mais c'est vraiment très simplifié en termes de ville ou de trucs comme ça, genre le tunnel sous la Manche, c'était un truc vite fait à l'époque, je me rappelle quand j'y avais joué. Ah bah ouais, mais. Pourquoi il y a un bus ici? Ah bah oui, ils ont mis une sortie, d'accord. Et donc, donc revenons à ATS. Ouais, je suis plus curieux de voir la gestion d'entreprise, ce qui dit. Côté saisons, management. Ouais, le côté management. Tenez la droite, tournez à droite. Je suis curieux de voir comment il. Bon, ça m'a coûté cher, mais je suis arrivé en vie. Tournez à droite. Je peux tourner à droite? Tiens. Tenez la gauche. Bah c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, je m'en suis sorti. Je suis arrivé en haut. J'ai un peu raclé au niveau du. Tournez à gauche. Comment ça t'a raclé? Ouais, j'ai un raclé un peu au niveau du trottoir. Mais... Ah, moi il y avait un bus au niveau du trottoir. Ah, faut que je tourne à droite. Tu,
doute bien ce que ça a donné. C'est terminé. Oh là là, comment tu fais demi-tour ici? Fais gaffe, je fais marche arrière. Parce que comme je te vois arriver... Bah, tu vas mettre là-bas droite. Dans... Et voilà. Comment ça, je tourne à droite? Doum, 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 doum. Continuez, on est arrivé à Spokane. Spokane. Monsieur, vous voulez aller à Spokane? On est arrivé à Spokane. Ouais, j'ai eu... Ah ouais, elle est loin, la station service. Ah non, il y en a une là. Est-ce qu'il y a un truc pour réparer? Tant qu'on y est. Ah, il y a un garage ici. Ah ouais, ok. Bah, je vais jusqu'à la station service et réparer. C'est pas très loin, c'est à côté. Ok. Il est temps d'aller travailler. Bah non, j'ai pas de mission. Là, il y a un nouveau concessionnaire. Comme ça, je découvre un peu Spokane en passant. Tu vois la station service? Vu que je t'ai fait chier pour y aller. Pourquoi tu veux aller à la station service? Bah, me remettre de l'essence. Pourquoi tu veux que j'aille à la station service? Remettre de l'essence et réparer. Parce que j'ai fait quand même 2-3 conneries, j'ai touché un peu. Et pour acheter le garage, il faut pas avoir été devant, ou si je veux l'acheter plus tard par exemple. Il faut que tu le découvres. Ouais, c'est ça, faut le découvrir. Et comme il est quasiment au même endroit, bah ça va me le découvrir. Je t'ai dit, je découvre Spokane comme ça. Mais pourquoi tu voulais aller à Spokane? Raconte-moi. Alors, comment expliquer ça simplement? Il y a quelques temps derrière, j'écrivais un roman sur l'histoire d'une femme. Intéressant, intéressant. Et donc, elle déménage du New Jersey pour reprendre sa vie à Spokane. D'accord. Et donc, voilà, donc c'est un délire. D'accord, t'as choisi la ville de Spokane pour un rapport précis ? Non. Ouais, par rapport comment dire ça comment dire le décor certains bâtiments assez anciens et stylés et puis son côté aussi moderne en même temps mélangé. Ah oui, il est là le... C'est un petit mélange quoi. C'est un tout, j'aime bien le style des bâtiments et autres. Ah merde, je peux pas aller tout droit. Bah non. Donc c'est pour ça, je voulais découvrir dans le jeu, voilà, j'étais curieux, je me suis dit tiens, vu que on allait prendre le DLC. Ah merde, il y a une voiture. Eh ouais, ah, il fallait passer en plein milieu. Eh ouais. Ah, je voyais pas la voiture derrière, j'avoue. En même temps, là où ils ont été foutre les voitures. Allez. Excusez-moi du pneu. On met un peu de coco. C'est où que tu voulais aller au fait, toi? Tu nous as toujours pas dit. Que là, on peut peut-être le faire d'ici. On a le temps de se refaire une bonne mission, là. Ouais, et à ce moment-là, je vais... Réparation. Ouais, moi aussi, je vais en profiter quand même pour réparer. Je me remets quelques centaines de litres. Je remets un peu de litron. Ah ouais, mine de rien, t'as l'impression que tu vas remplir que dalle et tu mets 400 litres dans le camtar. J'ai envie de dire normal. Alors. Je vais regarder si on peut, si on peut avoir... Réparation. Ah oui, en plus j'ai pas réparé les trucs de la dernière fois, je crois. J'avais abîmé un tout petit peu les pneus quand j'ai joué pour aller dans le Nevada. Mais là j'ai touché un peu le châssis. On est à Spokane. Ouais, on est à Spokane. Ok, c'est bon. Bah voilà, moi je suis prêt.
tu me dis. Je me mets à côté de toi. Hop. Prêt à repartir comme ça. En train de choisir une mission. Web. Et donc tu voulais aller où? Ah ouais, Ah. attends, là je peux mieux voir ma map normalement. Mais non, c'est Ouais, là. donc ouais, le Offre de Montana c'est là. traction. Donc le Montana, ouais, c'est bien à côté avec le Dakota. Par contre, je sais plus ce qui va avec le Dakota. L'Arkansas C'est le peut-être? truc qui est c'est entre Idaho et Wyoming. Ouais, ah non, c'est le Wyoming qui est donne là. Après c'est le Dakota parce qu'il y a la... Ah non, l'Arkansas c'est à droite du Colorado, je crois. Ça doit être ça, je pense, plutôt. Ah bah voilà. Alors, c'est quoi que tu On cherches? va aller, on va faire ça. Sauf Tu veux aller que... où? À Aberdeen ou à Hop, Vancouver? soyez prudent. Par contre, il faut que tu me suis. Attendez, monsieur. Vous Peu barrez pas. importe, je trouverai un nouvel itinéraire. J'avais coupé le moteur et tout, j'étais dans les menus. Mais c'est bon, madame, on a déjà été. Ah putain, va falloir que je vire le truc sur le GPS. Ouais, je suis arrivé un peu raide. Allez tout droit. Allez tout droit. Putain, le GPS. Fais gaffe, moi c'est rouge. Ah bah Non, je veux tu... pas. Au feu, tu vas tout droit. Ouais, non, j'ai vu ça. Attends. Bon, j'en mets le GPS ou pas? Ah non, mais encore que je tourne à gauche. Ah oh! Allez tout droit. Merde, comment on fait pour enlever déjà? Tu recliques Arrête sur de le manger. le, tu cliques sur le point exactement où tu l'as. Le petit 1. Je peux pas, ça m'en rajoute. J'en ai 6 Tenez maintenant. la gauche, Bah, puis c'est ça tournez à où c'est gauche. clic droit, je crois. Voilà, clic droit, ça marche pas non plus. Attends, c'est quoi cette baiserie? Pourquoi je Tournez peux à plus enlever les gauche. trucs? Non, mais là, il se fout de ma gueule. Ah, voilà. Putain, il est où le dernier? Là, je sais pas, non, il faut. J'ai l'impression qu'ils l'ont changé, ça, non? Non. Voilà. Bah si, je suis obligé de cliquer deux fois en fait pour l'enlever maintenant. D'accord. En gros, tu sélectionnes d'abord et après tu l'enlèves quand tu rappuies. Parce que si t'appuies qu'une fois, si tu fais pas gaffe, ça te rajoute des points. D'accord. Je trouve que c'est un peu moins intuitif. Mais non, attends, il me dit qu'il y a encore un GPS là, il se fout de ma gueule, il y avait plus de map. Ah si, il en reste un, il est où ce con? Ah putain, il est là derrière moi. Ah, bah là il me l'a Préparez-vous enlevé à tout seul. tourner Bah à non, là il me l'a gauche. enlevé du premier coup, je comprends plus rien. Tournez à gauche, puis Ok, tournez à c'est bon, gauche. cette fois-ci j'arrive. Donc tout droit. Ouais, au feu à gauche. Tournez à gauche. Prochain feu à gauche. Ouais. Vous êtes arrivé à destination. Votre C'est guide cool, ça nous fait aventurier est découvrir maintenant terminé. du pourcentage de Spokane. Bah ouais. Non, c'était pas là. Ah, c'était au feu à gauche? Bah non, si, je te vois Non. devant. Toujours Ah non, tout tu m'as fait droit peur. et Ah non, mais je te vois. au prochain feu à gauche. Ouais, non, mais tu m'as fait peur, ce que tu me dis. Alors, nous avons Je suis presque là, de toute façon, je te vois. tac tac. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes toi? Non, ça c'est non, annulé. Ça c'est des voitures compressées ou de la ferraille? Est-ce qu'on prendrait des voitures compressées? Oh, j'avoue que c'est rigolo la voiture compressée. Je vois Monsieur Butters, il est là-bas. C'est transporte. On va transporter en plateau. Je vais prendre ce plateau-là. Allez, mets-toi le feu, je crois que je l'ai raté en plus en regardant Butters à gauche, en passant ma tête à la fenêtre.
Ah mais il est long le feu ici. Attends. Ah bah quand même. Ah, je vais peut-être prendre un... C'est pas dommage. Ah, je vais peut-être prendre celle-là en double. Vais prendre ça. Bah, choisis bien, c'est la dernière mission du jour. Ouais, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux prendre, c'est ça le truc. Bah, Vous test, êtes on sur le verra. point de prendre une marchandise exceptionnelle. Sais pas, je On peux pas te dire. va pas prendre une marchandise exceptionnelle à ce moment-là. Que je te dise ce que j'ai comme mission, si je regarde en même temps que toi, au Non, pire. regarde, je vais faire ça. Hop. Hop. Allons-y. Et voilà. J'ai pris celle de base que j'avais choisie à la base. Ouais, c'est bon, ça marche. Spokane, Port Angeles, donc on va de l'est à l'ouest là. Ouais. Ok, bah, sympa. Tac. C'est quoi le trajet? Je vois pas. Ah oui, 467, ouais, ça nous fait le même trajet qu'on a mis pour aller Salem à Spokane, c'est pas mal. Bon, ça c'est un bon trajet qu'on Sauf peut faire en... que... Sauf que quoi? Oh putain! Je suis un débile profond. Qu'est-ce que t'as fait? Bah je me mets bien en marche arrière pour aller le chercher. Puis bah c'est pas le bon. Peux répéter ce que t'as dit? Ah, les voitures compressées sont moches. Depuis le début? C'était pas le bon bout en fait. Ah bah, non, avant. J'étais parti pour chercher ma cargaison. Je me suis mis en marche Non, arrière. non, non, pas les détails. Je suis un... J'ai pas entendu. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il est temps d'aller travailler. Salut. Le passage où tu dis je suis un débile. Ah, ben, je peut-être, c'est pas un problème. Alors attends, elle est orientée comment la remorque? Oh, putain, il y a une remorque qui a pop. Ah putain, oui, elle est de l'autre côté, d'accord, ok. Ah, la pute de ses os. C'est un cul-de-sac. Fallait prendre à gauche, tu t'es fait arnaquer comme moi Non, parce sur... qu'en fait, je voulais passer dans le hangar, mais le hangar, il est fermé. Ah oui, d'accord. C'est encore pire. En même temps, moi, je serais vu là-bas, je serais jamais passé par là. Oh, moi aussi. Moi, si je vois un hangar, je passe dans le hangar. J'ai déjà eu des trucs où je devais me garer directement dans un hangar. Ah bah oui, je me rappelle d'une fois, je crois que je l'ai en vidéo en plus à l'épisode. On s'est garé dans un hangar. J'ai pété les plombs, moi, je m'en rappelle. Par contre, autant les voitures sont bien faites, autant les voitures compressées sont mal faites. Sais pas, elles sont où les voitures compressées? Là, sur ta gauche. Tu vois passer à Sûr, côté. mais... La texture est dégueulasse en fait. C'est un vieux JPEG. Ah oui, je les vois pas, là, elles sont derrière moi. Alors attends, comment je peux faire pour les voir? Bah là, tu vas passer devant de toute façon. Ah d'accord. Ils sont sur ta droite. Sur ma droite. Là, le truc marron là, qui est juste sur ta droite. Bah, je vois des tubes, moi, je vois des barres. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des tubes pour toi? Ah moi ouais c'est des Ah, tubes. d'accord, bah vous, c'est les voitures. J'ai les barres à plat tu sais, Ah, des c'est genres non, de... c'est voiture compressée, c'est tout marron. Non j'ai pas les voitures moi. Bref. Ah non, là-bas c'est des essieux, c'était même pas des voitures ce que j'avais vu, les trucs marrons. Faut que je regarde la map. Parce que. Ouais. Faut que je. D'accord, je peux pas dézoomer la main. Il faut que je passe par ici. Ah pourquoi, t'as un chemin précis? Merde, je voulais pas du tout faire ça moi. Ah oui. Ah ben non, j'ai pas ouvert la map. Ah oui, je suis à l'arrêt, c'est pour ça. Tu veux passer par où toi? Par Seattle? Voilà. Non, tu vois, Bah... tu me suis. On y va. Ah bah oui, en même temps. Tu me suis, on est bon. Bah vas-y. Hein. Allez, on est parti. Go, go, go! Tournez à droite, puis tournez à droite.
Elle est clignotante, mon con. C'est pas fait pour les chiens. À droite. Ah, par contre, mauvaise nouvelle. Préparez-vous à tourner à droite. Qu'est-ce qu'il me dit? On va rouler dans la nuit. Tournez à droite. Ah bah ça, je m'y attendais. Attends, il est quelle heure, là? Normalement, mes phares, je crois qu'ils sont restés allumés. Il est 18h24. Ah merde, j'ai niqué encore un panneau de signalisation. Pourtant, j'ai voulu prendre large. Je fais exprès d'anticiper et de vouloir prendre large et non. T'es derrière moi? Ouais. Ça dit de tourner à droite, donc c'est bon, ça, y a pas de souci. Allez, on est en route, mauvaise troupe. Allez, go pour Port Angeles. C'est la destination que je voulais faire à la base, mais je voulais faire Port Angeles, enfin Salem, Port Angeles et Port Angeles, Spokane. Hein, bon, c'est pareil, on a fait Salem, Spokane, Spokane, Port Angeles. C'est ça. Putain, j'allais un peu trop vite là. Ah bah, de toute façon, c'est 35. Donc, Ouais, mais j'étais à 43. Allez, je me la joue sérieux là. Mode simu activé. Je freine. Allez, tout droit. J'ai freiné, je suis arrêté au feu rouge. Je freine. J'ai freiné, je suis dans ta remorque. Fais gaffe, il y a l'appui lisse. Oh putain, j'ai de la chance. Je passe la limite à l'orange. Devant les flics. Tournez à droite. Tourne à droite. Tenez la gauche. Moi aussi. Bon, y a une voiture, mais elle arrive sur ta droite. Et j'ai mis mes phares, parce qu'il est 17h. Bah, normalement, je les ai. Hein. Je sais plus. Ah merde, je suis tellement plus habitué à ce camion que je sais plus où on voit. C'est quoi ça? J'ai éternué. C'est le Covid. Par contre, j'arrive pas à savoir si j'ai mes phares. Je me rappelle plus sur ce camion comment on voit si je les ai ou pas. Bah normalement, t'as une petite lumière verte allumée ou alors t'as tes... T'as ton aiguille qui est allumée. Moi, je vois tout d'allumé. Si t'as une petite lumière, ouais, bah, je sais pas. Ah ouais, mais toi, c'est vrai que t'as un ancien camion. Optimus Prime, je crois. Enfin, ouais. À peu près. Mais j'ai vu que c'était pas la bonne marque, mais c'est pas le bon modèle. Mais il ressemble beaucoup. Merde, c'est vrai que je sais plus comment on fait pour voir normalement. Normalement, il y a un truc, je m'en rappelle, pour qui te le dit. Mais je vois pas le logo des phares. Ah bah, tu verras bien, hein, s'il y a un flic qui passe à côté de toi et qui te met une prune, bah, tu verras. Je me mets sur la voie du milieu. Parce qu'ils m'ont demandé de me rabattre. Hein. Ouais, moi aussi. C'est bon, j'ai mes phares. C'est bon. Tu me vois? Sans le GPS. Oui. Oui. Et. Je te vois devant et en visu. Et en visu aussi, ouais. Ouais, je suis derrière ça. Je te vois pas sur le GPS. J'ai la distance de sécurité en fait. 200 miles. Attends, je te rattrape un petit peu.
Je sais que je respecte pas. Depuis quand on respecte la loi? Tu crois qu'un jour ils vont... Tu crois qu'un jour quand ils auront modélisé les États-Unis et les... et la France et tout ça comme ils ont fait, on va pouvoir aller des États-Unis à la France? Non, je pense de pas. De American Truck à ETS. Ah putain, la voiture qui s'est mise entre nous deux là, pourquoi faire? Ça en plus je la vois pas. Avec le reflet. Ah c'est beau sur le côté gauche. Mais on n'est pas du bon côté de la route. T'imagines le World Truck Simulator? Ouais, j'avoue. Mais bon, compliqué quoi. Si tu l'as pas fait dès le départ, vu que c'est deux jeux séparés, c'est un peu compliqué, je pense. Il y a la police qui arrive sur la gauche. Fils de... Qui c'est qu'elle t'a fait la voiture? Le 4x4, il s'est mis juste devant moi, il s'est amusé à freiner, et après il est parti. Après il a fait un gauche-droite. Genre il s'est mis sur la voie de gauche, il s'est remis sur la voie de droite et il est parti. Putain, la voiture derrière toi, elle m'a fait freiner sec aussi. Tu lui as fait peur. Bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du 4x4. Ah mais j'ai rien dit moi. J'ai pas dit que c'était vous. J'ai dit juste tu lui as fait peur. En plus il sortait à droite, donc en fait il était obligé de t'attendre pour pouvoir tourner, il pouvait pas te doubler. Donc il pouvait pas changer de voie. Ah mais là c'est le pire truc, là on voit que dalle là. Après c'est réaliste quoi, mais Ah oui par contre Là ça nique la vue là. Par contre hop, je mets mes gyros. Putain j'ai des petits lags. Je sais pas comment ça se... Ouais, j'en ai eu tout à l'heure aussi, mais là ça va mieux. J'ai mis mes gyros parce que moi, je transporte du... Voilà. Donc je transporte une cargaison... Dangereuse. Enfin, c'est fermé, mais... Ouais, c'est remorqué. Que non, c'est fermé. C'est baqué. Ouais, c'est fermé, j'ai pas besoin. Oula! T'arrives? Bah, ça a descendu, je suis monté à 64. Ouais, moi aussi, ça va. Ouais, mais à deux doigts se prendre un PV. Hein. Non. Ah, bah, à 64, je peux dire que t'as 64 au lieu de 60, il y a un flic qui passe, Italie. Oh, la règle des 10% là. Oui, il rigole pas. Enfin, après, je sais pas comment t'as réglé ton truc. Moi, j'ai réglé à 3 au-dessus de la limitation. Non, je crois que j'ai mis la règle des 10% moi. C'est quoi la règle des 10%? Bah, normalement, si ton PV il est en dessous des 10% de la vitesse maximale, tu peux le faire sauter parce que c'est par exemple si tu roules à 50, 55, c'est voilà, c'est la limite max. Oui, donc 5 au-dessus. Dans les faits, c'est ça. Ah bah non, pas 5. C'est selon ta vitesse. Ah ouais. Si t'as le droit à 90, c'est 9 de plus. Ah putain non, j'arrête pas de la... Je commence à laguer fort. Ah c'est pas normal là, parce que ouais. Moi ça tombe bien. J'ai eu tout à l'heure des à-coups comme ça. Je crois que c'est à cause du soleil. Avant qu'on lance. Ah merde, moi j'ai pas besoin de sorte. Ah bah non, c'est pas de la pesée. C'est une erreur. Non mais je crois j'avoue que le temps est agressif. Je crois que c'est à cause du coucher de soleil. Ah ouais, par contre c'est stylé. Ah bah oui, maintenant, ça a de la gueule habituellement. Depuis qu'ils l'ont retravaillé, les lights et tout ça. Mais ça pète les yeux. Ouais. On s'y croirait presque. Parce qu'ils ont travaillé la fluidité du soleil en fait. Avant c'était un peu plus. Oui. C'était plus raide le changement. Mais là, depuis qu'on a le soleil qui se couche là, j'arrête pas de. Des lags. Mais par contre ouais si je crois que t'es devant moi mais t'es un peu loin. Mais bon je te suis. Bah oui j'ai pas fou. Attends. Voilà. J'ai pas fais fou. Gaffe, il y a des voitures derrière toi. Enfin, entre nous deux, il y a des voitures. Ouais. Sur les deux fils. Moi je roule à 60. Désolé hein, pour les lags. C'est pas Claude.
Ouais, donc hâte de voir ce que nous proposera pour l'année prochaine American Truck Simulator. Waouh! Regardez-moi ça! Non, ça a de la gueule le coin. Hein. J'ai fait me casser la gueule. Ah, il y a un point ici, c'est pas ça? Ouais, il y a un point d'intérêt. Ouais. Ah oui. Ah bah c'est con, mais maintenant je les vois mes phares. C'était bien le truc en dessous de mon cadran là. Sauf que quand il fait jour, tu vois rien. Ah c'est stylé avec le pont et tout. Ah bah ça va, je te rattrape tout doucement. Là il y a Michel. Là-bas au fond. Là-bas au fond, ça va, on a même pas, on a peut-être 100-200 mètres grand max, même pas. Bon, je pense que je vois un peu trop large. Ouais. J'étais à la fin du pont, t'étais au début du pont. Non, même pas, je pense. Un peu moins. Pourquoi? Ah oui, non. Ah! Si t'arrives. Il y a la police qui ont arrêté un camion. Mais ne freine pas, y a rien devant toi. Sois pas con. Je vais te chasser, hein, enfoiré. T'as déjà vu le film Duel? Mais laisse-le freiner. Fais ce qu'il veut. Arrête pas de freiner. Je vais te. Je m'en fous, tu dois te mettre de ton véhicule. Je vais te défoncer ta race. Hein. Comment ça, tu vas lui défoncer sa terrasse? Et puis maintenant, il. Maintenant je comprends le chauffeur dans le duel. Tout ça pour sortir. T'as de la chance. Ah, le chauffeur de bus, le camion routier, il se prend une queue de poisson et il pourchasse un automobiliste oui. Jusqu'à la mort de l'un des deux. Oh là! Qu'est-ce que t'as fait? Il y a des camions qui roulent pas vite et ils sont sur la voie de droite et la voie de gauche. Oh punaise! C'est pas loyal ça, monsieur Dan! Ah putain, en plus la voiture qui est devant moi, elle a anticipé, elle a freiné comme un gros sac. Ah bah oui! Mais genre 500 mètres avant quoi! Oh le salaud! M'en fous, je l'ai doublé par la droite! Et j'ai vu un mec qui avait créé un mod. Croiser ses propres véhicules, ses employés. Quoi? Quand tu roules, ouais, tu peux prendre, les croiser, tu oui, peux les voir. Le même chemin, tu les verras jamais. En fait, ils sont pas physiques. Oui, oui. Oui, oui, non, mais oui. Et lui, les amis physiques. Ok, ouais, non, parce que je comprenais pas. Moi, j'étais dans le croisement. Ah, je vois ça, ouais. T'inquiète pas, je t'ai dit, je suis en mode sérieux, là. À cause d'un mec qui était sur un camion qui était sur ma gauche, qui avançait pas, et le mec qui a tourné pour aller se coucher. Et enfin, pour aller se par contre, ça fait deux fois que je me fais niquer comme ça. Je tiens à le noter. Et peut-être que dans le DLC, enfin, dans la mise à jour entreprise qu'ils veulent faire, peut-être qu'on aura l'occasion de voir nos... Ah, je n'ai pas besoin de faire la pesée. Moi aussi. Tu dois la faire? Je dois la faire, ouais. Ok. Alors attends, allez où? Elle est là. Ça doit tourner là. Recherche d'un nouvel itinéraire. Allez tout droit. Elle est à droite, non? Non, elle est à gauche. Ouais. Calcul d'un nouvel itinéraire. T'es sûr? Réorientation. Ouais. Ah oui, ah putain. Je me suis arrêté à temps alors. Pour une fois, elle est à gauche. Bah non, elle est toujours à gauche depuis tout à l'heure. Ah, sur la mission précédente, sur les deux que j'ai faites, elle était à gauche. Non, mais parce qu'au début, comme je te voyais aller en face, je me suis dit. Ah oui? Bah depuis je vais suivre le camion de droite. Bah non, tout à l'heure, tu m'as. Tout à l'heure, tu. Bah si, je t'ai attendu sur la voie là à gauche, comme il y a là. À gauche.
Oui, bah là aussi. Tu es où toi? Mais t'as déjà tracé toi? Je suis en train de sortir. Hein. Où c'est? Ah oui, je te vois, ça y est. Mais c'est parce que j'ai un camion au cul en fait. Ouais, ouais, non, mais je le vois. Entre oh, nous. C'est le bordel. Ah non, non, c'est pire que ça. Là, c'est... oh là là, c'est un bouchon. Oui, parce qu'il veut pas avancer. Moi, j'essaye de m'insérer, ça passe ou ça casse. Hein. Tant pis, sinon je paye l'amende. Oh, c'est un bouchon. Ah non, le mais truc. Devant aussi, hein, les mecs, ils... devant aussi, un bouchon. Et là, ils sont tous cul à cul. Ouais. Les fous, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu le temps qu'on aille à la peser? Je sais pas. Il y en a un qui a ralenti, ça fait ralentir tout le monde. Putain, là, je suis en train de me faire doubler par la gauche. C'est bon, je te vois remonter. Allez. Putain, il y avait un mec un peu sur la droite, mais il voulait pas avancer. Passe à gauche si tu veux au pire. Bah non. Je te bloque la route. Pourquoi t'es à gauche? Bah oui. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Je te bloque la route, je bloquais le camion. Voilà. Mais même sur la gauche, ils avançaient pas. Oh, il y a la police. Ouais, non, mais c'est comme ça. Vu que là, à droite, ils ont l'air de coincer. Voilà, on prend pas le risque de rester coincé. Si on est à gauche, au moins, on peut doubler. Ah bah... ouais. Enfin, même sur la gauche, il y a des tortues. Ça roule. Ouais, mais c'est pire à droite depuis tout à l'heure, d'après ce que j'ai vu. Vu tout ce que j'ai doublé, je regarde, là, il y en a encore. Je freine parce que ça avance pas non plus. Ouais, mais au moins t'as doublé déjà une voiture, un camion, deux camions. Ouais. Donc ça avance quand même un peu plus vite. C'est vrai, ça avance un peu plus vite que la droite. C'est ce que je te dis, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, les deux voies elles sont un peu bloquées, mais. Il y en a une qui avance un peu mieux. C'est pour ça, si on se remet à droite, on va se faire coincer. La droite, il a freiné. Le camion là? Ouais. Citerne ou je sais pas ce que c'était, une bétonneuse. Parce qu'il était pas sûr de son virage. Ça devait être moi au volant. Oh putain, ça descend là. Ça a accéléré d'un coup. Quoi, la police? Ah, les mecs ils... Ah, ils sont partout, ils ont combien de voitures de patrouille dans le coin? Bah s'ils savent que c'est ici qu'il faut faire du chiffre... Bah, fais gaffe, c'est au milieu de la route. Oui, bah on était en virage. Bah, c'est pas une excuse. J'évite de trop me coller à gauche en fait. Ouais, t'avais carrément de la marge, je te signale qu'il y a un truc de sécurité. Oui, il y a la ligne jaune. Je veux pas frotter. Je sais jamais ma cargaison quand je prends un virage si je le prends bien ou pas. Oh non, non, mais là ta cargaison elle est trop light pour que ça pose problème. Oui, ça. Mais c'est ça le problème, c'est parce que je prends toujours des cargaisons qui sont grosses et quand je me retrouve avec des cargaisons qui sont plus petites, bah je suis comme si j'avais une grosse cargaison. Et on sort pas? Non. Bah moi ça m'a dit d'aller à droite. Non, non, tu me suis. Je t'ai dit. Putain, tu peux pas. Je te l'ai dit de me suivre. Je t'ai dit tu me suis dès le début qu'on est parti du truc. Bah ouais, mais là comme on quittait carrément non, pour non, carrément tu autrement. Me suis. Non non. Bah non, sinon je t'aurais laissé passer devant. Oui, non mais ça oui. Mais c'est que je sais pas à quel moment mon GPS il est en contradiction bordel. Avec toi. Il va falloir aller à droite. Je me rabats à droite, mais l'autre con va avancer plus vite que moi. Enfin, je me rabats à droite. Fred, tant pis. Bah les couilles. Bah moi je me suis pris bulldozer, qui avançait pas, c'est bon. Ah non mais le mec avec sa remorque il avance pas ce con. Parce que moi c'était un... C'était quoi? Je le laisse passer pour me rabattre à droite et... C'était un Vista Cruiser. Ah par contre c'est débile parce que j'avais pas besoin de me rabattre à droite. Ouah. Je pouvais très bien rester. Allez, sur la voie de gauche. On lève les mains en l'air, ouais tunnel. Là j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le GPS il m'a dit de me rabattre. Parce que c'est la même voie, il n'y a pas de changement de voie. C'est... Alors là c'est par contre c'est illogique ouais. Par contre c'est 45 sur le tunnel. Voilà ça va, je suis à 50. Oh j'ai klaxonné tout ce que j'ai pu dans le tunnel, c'était génial.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Bon, je me remets voie de gauche. Par contre, t'es loin, là. Je te le dis au cas où. Ah bah t'inquiète pas, je roule à 45. Sortez à droite. Mais on sort à droite. Après le tunnel, on sort. Ok, bah je reste sur, je reste à droite, alors. On y est Seattle. Non, on rentre pas dans Seattle. On est sur les embranchements. Mais oui, on est à Seattle. Enfin, ils t'ont débloqué le fait qu'on est à Seattle. Ouais. Ah, j'ai klaxonné comme un gros porc aussi. Attends, moi ils me disent de pas sortir. T'es sorti toi? Ouais, tu suis la droite. Attends. Parce que je te vois plus. Si, je vais freiner, je vais m'arrêter. Ah, parce que là je sais pas où t'es. Hein. Je suis arrêté. J'ai perdu Jackie. Ah oui, c'est bon, je te revois sur le GPS. Là tu vas rentrer dans la jonction. Je suis arrêté sur le bas-côté. Bah j'arrive moi, je suis presque là. Merde. Mais t'as pas les phares, Jackie. Ah là, je suis là. Bon, attends. Attends, laisse-les passer les deux. Voilà, vas-y, je te laisse t'insérer. Ah mais Jackie, en même temps, il nous fait faire des trucs. Hein. On est dans Seattle. Oh, il y a plein de gratte-ciel. On va peut-être voir... Merde. Attends, il pleut, là. Ouais. Je suis classe. Je ne sais pas si on verra le restaurant. Ah, tu voulais montrer ça en fait? Non, mais non. Je l'ai croisé une fois, je crois. Ah putain, faut mettre les essuie-glaces plus vite. Pourquoi tu klaxonnes? Parce qu'on est dans un mini tunnel. Ah putain, oui, je viens de voir. Et j'aime bien la résonance. Bah, en fait, le délire, c'est que le mini tunnel, tu le vois mieux quand tu regardes dans ton rétro que quand c'est devant toi. Comment je peux pas voir le plafond avec mes loupiottes de camion? T'en déconner. Oula. Bah non. Ça avance pas vite. Avance. Non mais je t'entends klaxonner, j'ai l'impression que t'es à 2 mètres de moi. Avance. Alors que t'étais à 20. Plus la piste là. Plus la piste. Le camion il a sauté. Le camion sur ta gauche. Je sais pas ce qu'il a foutu. Il nous a fait un rebondissement de remorque. C'est peut-être un A. Je vais sur la voie de gauche. Tenez la gauche. Ok, bah je vais essayer d'y aller aussi parce qu'il y a une voiture entre les deux. Ah bah c'est bon, il tourne en droite. Ouais, non mais j'y suis aussi. Non mais c'est bon, la voiture elle a pris celle de droite, donc on s'est fait un petit chassé croisé. Putain, c'est cool par contre, j'aime bien quand il y a plu. Bah là pour l'instant je te vois toujours, donc c'est bon. J'augmente le bâton de mes... Ouais, ça commence à bien tomber. Enfin, moi je suis au niveau 2, mais c'est un peu limite. Je me suis mis au niveau 3, mais. Attends. Bah, 3 c'est le max, hein. Ouais, c'est celui où il va à fond. Ouais, non, tu roules à combien là? 52. Ah, ok. En plus, parce que j'étais monté, j'étais à 60, alors c'est pour ça que je rééquilibre un peu, quoi. Que vu que plus tout à l'heure t'as des mauvaises surprises. Ah non mais je ralentissais parce que je voulais te croiser, je voulais te... Ah oui, non mais oui. Allez, je suis à 60. Ah. Ok. Toujours sur la voie du milieu. Enfin, il n'y a plus de voie du milieu. Ouais, il y en a plus que deux, c'est ce que j'allais dire. J'ai découvert un nouveau point d'intérêt. Il a li, papi, papou. Ça y est, on est en train de le perdre. C'est parce que quand je fais du camion, quand t'es pas là, je dois aller la peser. Ok, moi j'ai pas besoin, mais je suis comme d'hab. Je mets la radio. Ah. Bah, moi j'ai la flemme, mais c'est vrai que je dois la mettre. Sinon, je mets ma propre musique en fait. Et ça me... Attends. C'est où la pesée, ouais? Attends, la pesée. Ah fou, merde quoi. Il y en a des deux côtés. Je trouve recherche d'un nouvel itinéraire. Il y en a des deux côtés. Mais le mec il me rentre dedans. Allez tout droit. Mais non, je t'ai pas touché. C'est ça, ouais, dégâts 3%. Ah bah je t'ai pas touché. Le mec je l'esquive parce qu'il freine net alors qu'il va tout droit. Et là j'ai tourné à droite finalement. Et hop là. Non, t'as tourné dans moi. Mais peut-être.
on ne sait pas, on ne saura jamais. Le saligan. Non, je t'ai pas touché, le dégât que t'as eu, c'est quelqu'un qui était derrière toi quand t'as freiné. Mais oui. Qui a rentré dans ton cul. Mais oui. Fais gaffe. Je vais rentrer dans ton cul, moi, tu vas vite comprendre. C'est bon? Tu suis? Bah non, attends, je t'insère devant le camion. Parce que je suis en train de m'insérer comme un gros porc et je mets du bouchon là. Exprès pour te laisser passer. Bah attends, j'essaye de savoir si. Ouais, normalement je peux m'infiltrer derrière le camion. Ouais, infiltre-toi. Normalement ça passe. Ok. Ah, mais le mec, comment il nous a fait ça en mode sauvage? Ah le bah, camion double. J'ai été perdu sur ce coup-là, j'ai été perdu. Puis sortez à droite. Bah on freine et on se calme. De toute façon, on sort là. Bah ouais, je vois ça. Non mais de toute façon le camion lui il s'est mis de l'autre côté. Il a changé de fil. Il s'est dit je suis pas le taré devant là, le mec il fait n'importe quoi, tenez je l'ai vu gauche, à la pesée. Puis tourner à gauche. Et là on tourne à gauche. Tourner à gauche. Au feu on tourne à gauche. Oh c'est bon, c'est vert. Ouais. C'est surtout ric-rac quoi, je me méfie de ces descentes là. Ah bah aussi, je peux te le dire. Que je me rappelle une fois dans nos débuts là, voilà bon, il est un tenez peu plus court droite, donc ça va. Continuez tout droit. On a oula, même feu rouge, je freine. C'est bon, moi je roule pépère, hein. C'est 35 ici, hein, je vous signale. Je sais pas, j'étais déjà à 70. C'est fou mon bon monsieur, je peux pas aller plus vite là, que, oui. Que 65. 65. Il transporte un petit plateau vide. Il transporte des plateaux. Sûrement pour une nouvelle émission. Ouais, je voudrais bien qu'il rajoute des. Quoique non, on peut acheter tous les types de. Ah non, je crois qu'ils ont rajouté des. Il y a un DLC en fait qui est sorti. Il y a un motel dans le coin. Où tu peux acheter des cargaisons Volvo. Et c'est quoi des cargaisons Volvo? Bah, en gros, tu payes, d'accord? Ah bah oui, c'est un DLC quoi. Tu payes un DLC, 4€. Ouais. Qui te permet, quand tu prends une location, de pouvoir avoir une location spécifique Volvo. De transporter du Volvo en fait. En fait, on paye pour avoir de la marque Volvo dans le jeu. Ok, ouais, quelle arnaque. C'est un peu de l'arnaque. C'est banania ce truc. Autant quand j'avais acheté le DLC coup de cœur, j'ai un skin, enfin j'ai deux skins pour ma remorque coup de cœur. Donc ça c'est ouais. Ça c'est plutôt cool. Tu fais de la pub quand même pour le truc quoi. Oui, que là c'est seulement des objets, des véhicules de chantier qui ont la marque Volvo que tu peux transporter. Tu transportes du Volvo. Tu transportes du Volvo, voilà. Au lieu de transporter un truc. Ah, faut ralentir. Un truc qui a pas de marque. Attention, il y a des piétons, ils ont dit. C'est pour ça que je roule à 30. C'est pour ça que c'est à 30. C'est à 30 sur le pont. Ah! À gauche, t'as vu? Non. Tu vas le voir. Il y a un point d'intérêt, ouais. Ouais. Par contre, le problème que j'ai avec les points d'intérêt, c'est que. Il fait noir. Non, ils disparaissent pas quand tu les as vus une fois. Ah! Donc tu sais jamais si tu les as déjà pris ou pas. Parce que ça se peut que tu passes à côté et que. Oui, quand t'es sur l'autre voie, la voie où c'est collé, quoi. Allez, 40, parce que ça monte, je crois. Ou il y a, des chutes de rochers, je ne sais pas. Ça descend plutôt, non? Ça descend, je sais pas. Bah, j'ai fortement l'impression, ouais. Ouais, peut-être. Ah, 35. Il devrait rajouter aussi des événements. Oui. Genre Oui. Chute de cailloux. Mais pas forcément des trucs de déviation où ils disent
stop, vous pouvez pas passer, vous, vous faire tout d'un détour, machin. Non, genre, sur un côté de la route, attention, rétrécissement, parce que, bah, comme là. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un lac. Là, il y a de la lumière. Il y a le panneau devant. Il y a un panneau surtout, non ? Ah bah voilà. Qu'en parles-en ? Faut que t'en parles et que tu nous portes la poisse. Il y a des travaux. Il y a des travelots. Un vêteur, s'il a pas l'air de savoir où il va. Si. MR Butters. Au fond, à droite. Ça veut dire quoi, MR ? Là. Attends, stop. Tu m'arrêtes. Je m'arrête parce qu'il faut que je tourne à droite, mais je t'ai vu arriver. Ah putain, où il nous a emmené ? On est où, là ? Bah, de toute façon, je te devais un petit coup dans la remorque. Tu savais bien que j'allais pas te laisser partir sans prendre ton coup. Attends, mais où tu nous as emmené là? Ça, on voit que dalle en plus. Mais si, faut que tu me suis. Ouais, et le mec il me dit faut que tu me suis, les trucs sont en sens inverse, on sait pas. Mais on... ah ouais, on n'est pas arrivé en plus encore. Non. Ah, c'est un passage secret. Ouais. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ça y est, je suis dedans. T'attends pour fermer la porte, mais je peux pas rentrer en entier. Si, il faut que tu rentres jusqu'où je suis et il faut que t'appuies sur le truc. Mais je pouvais pas, t'étais encore là. Oui, mais tu peux me traverser en fait. Ah, c'est un ferry. Eh oui, c'est le seul ferry qu'il y a dans le jeu pour l'instant. Et je te l'ai fait prendre. Voilà, ouais, pourquoi je voulais. Voiture dedans. Voilà pourquoi je voulais passer par Port Angeles. Mais il faut faire quoi donc? Bah, t'acceptes comme la pesée. Remarqué. Okay. Non mais là j'ai un tableau coupe ville portant de scène de 35 minutes 100 dollars. Tu cliques le premier et on est parti. Ok. En fait en gros tout ça pour se taper un chargement. C'est ça. Mais tout ça pour avoir pour prendre la première traversée du bateau. Ouais ok. Et non, normalement t'as débloqué un succès. Bah peut-être quand j'aurai le chargement fini, peut-être ouais. Je pense quand je serai de l'autre côté. Ah là là. Non mais Peter, s'il m'envoie dans des endroits, il prévient pas que ça va être des endroits exigus comme ça. Non mais, oui. Cool, c'est un bateau, on en a pas. Dans ETS, quand ils vont en Angleterre, ils le prennent tout le temps ce truc-là. Nous, on l'a pas. On avait juste, voilà. C'est juste là qu'on a un tout petit bout. C'est vraiment un tout petit bout de ferry. Tu verras sur la map, c'est un tout petit bout de ferry de merde. Par contre, je sais pas, j'ai pas eu de trophée, je crois. Tenez la gauche. Ah bah, c'est tourné à gauche. Le sens contraire. Ouais, parce que... Attends, tournez t'es où là? À gauche. À droite. Je suis au bout. Parce là. Que j'ai que des flèches. Ouais, mais parce que les flèches, elles me disent à gauche, à droite et je te voyais pas sur quel côté. Ouais, GPS, c'est ce qu'il me dit. Oh, j'ai esquivé l'amende. On en aura plus, je pense qu'on aura la Floride. Ah non, les Florides, c'est des ponts. Ouais, plutôt ponts, ouais. Et tu vois, on n'a pas de bateau dans le jeu parce qu'il y a non, pas de. Non, vers New York, par là. Non, New York, y a pas... non, c'est des ponts, on n'a pas besoin de prendre de ferry. Ouais, mais il y a des ferries aussi, peut-être ouais, qu'ils vont mais mettre. Pas pour, pour les polos. Pour aller à Staten. Ah oui, on n'a pas le droit d'aller à Staten Island en camion. Non, c'est nul. Je crois pas. Ouais, je sais pas. Je me suis jamais renseigné sur la question. Et comment ils vont livrer leur magasin? Ouais, c'est vrai. T'as vu en plus la taille des bocaux de maillots là-bas? C'est des 10 litres. Ah oui, mais c'est comment ils font pour livrer c'est ça pas, par c'est, pas Island, c'est dans le New Jersey. Des bocaux de 10 litres que t'as vu. Préparez-vous. Non, il y en a aussi à Staten Island. T'es sûr? Bah oui, il y en a pas qu'au New Jersey, monsieur. Ah bah tu vois. L'américain, ça. Quand on aura l'État de New York, on à droite. Va aller dans le New Jersey. Bon, je sais pas ce qu'on va y foutre dans le New Jersey. Mais... Ah si, on va peut-être pouvoir livrer comme d'habitude, on fait. On va livrer à Walmart. Des cadeaux. Des cadeaux de Noël. Mais non. Ah, il va peut-être y avoir l'event de Noël, oui. Bah c'est bientôt, ouais, j'avais pas pu le faire moi, vu que j'ai commencé le jeu en début d'année. C'est vrai. Je pourrais peut-être le faire cette année. Je sais pas s'ils vont faire l'event de Louis. Non, y a pas d'event de Louis. Bah je sais pas, j'étais pas encore là. Non, j'ai jamais eu d'event d'Halloween. Ah par contre, en parlant d'event d'Halloween,
Si t'as besoin de faire des pièces d'or, tu as le Halloween sur Guild Wars 2. Le fameux labyrinthe du roi démon. Bah le truc c'est que je l'ai désinstallé sans faire exprès. Oh. Ça remonte hein, à juillet je crois. Ah d'accord. Je de toute façon la prochaine fois qu'on jouera ce sera pour le DLC quand il va sortir. On a le temps. Bah en fait c'est ça le truc, c'est comme le DLC, j'ai vu que c'était pas avant début d'année prochaine. Je me suis dit que d'ici là j'aurais certainement changé de PC, donc je me suis dit ça sert à rien que je le réinstalle. Ah bah complètement. Je le réinstallerai directement sur le nouveau PC. Est-ce que t'as vérifié si t'avais pu récupérer comment on appelle ça, les épisodes des mondes vivants que t'as pas eu? T'as vu le peu? Je sais plus. Eh oui, seul. Tu l'as pas fait. T'as dit que tu le ferais. Bah non, parce que je te dis, j'ai installé sans exprès, je me suis trompé, il y a un feu rouge. Ouais, vous inquiétez pas. J'ai regardé la signalisation. Putain, c'est tentant de lui remettre un coup dans le fion. Arrêté. Monsieur, il prend dedans là. Sérieux. Et ouais, quand j'ai acheté Washington et que j'ai découvert qu'on pouvait prendre le ferry, j'ai dit oh, c'est cool ça. Bon après c'est pas beaucoup, mais non, mais voilà, ça me fait détailler du talon, mais c'est cool. Quoi. Et au lieu de faire tout le détour, et ben j'ai dit ce qui nous faisait passer par en bas en fait. Il nous faisait passer par en dessous et remonter jusque par. Et j'ai dit bah allez, non, tout droit. Autant qu'on fasse un petit détour, mais au moins qu'on prenne le ferry. En plus, à la base, je voulais qu'on passe par Port Angeles pour prendre le ferry. Ah, d'accord, c'était pour ça en fait. C'était ton pour truc. Ça. Tout ça pour ça, il y avait une vraie explication derrière le choix et le secret. C'est ça, à la base, je voulais t'emmener à Port Angeles et quand on serait parti à Spokane, bah, j'aurais dit on prend le ferry. On reprend le ferry dans l'autre sens. Bah là, de toute façon, la prochaine fois, il faudra bien qu'on reparte. Oui, mais maintenant avec le convoi, comme on peut partir de où on veut. Oui, est-ce qu'on repart d'ici? Est-ce qu'on partirait de Spokane? Est-ce que. Voilà. Bah, j'ai envie de te dire, si aucun de nous deux joue. Même si tu joues de ton côté, on peut se téléporter. Oui. Aller tout droit. Où on veut. Oui, non, mais oui. Non, mais je veux dire, si tu veux qu'on refasse un trajet ensemble pour aller ailleurs. Moi, c'est comme tu veux. Hein, la semaine prochaine, soit on fait de l'overcook, soit on fait ça. Si vraiment on reprend mardi, vu que là on a décalé un peu, je pense pas que je jouerai. Après, c'est toi qui me dis ce qu'on fait. Même quand j'ai joué, t'as vu, j'avais les DLC et j'ai été dans le Nevada. Préparez-vous à tourner. Je me suis pas dit tiens, j'ai Washington, j'ai Utah, j'y vais direct quoi, je t'ai attendu. Ouais. Je me suis dit autant faire la découverte quand je serai avec toi pour quelques jours. À gauche. Je me suis dit. À gauche. Ah bah moi je suis loin derrière toi. Ah bon? Comment ça se fait? Ah bah je me suis pris un des feux rouges. Ah exact. Donc je dois avoir un feu rouge de décalage à peu près. Et bah j'ai qu'à attendre ici. Tu te rappelles le film True Lie? Ouais. Et ben on va plus là. On va se taper les longs ponts comme dans le film True Lie. Quand tu sais sa femme elle est en train de se battre avec Jack Harrer dans la limousine et que lui il passe en hélico, oui, pour la prendre. Et ben en Floride c'est ces ponts là en fait. Bah ouais, il y a beaucoup d'eau en même temps. Bon, on est bientôt arrivé. Ouais, il reste 2 miles. Ouais, on est sur la fin. Mais ouais, j'ai hâte de... De toute façon, j'ai hâte de faire un coast to coast. Tenez la droite, puis tenez la droite. Ouais, ça, ce serait sympa. Tourner à droite. Tourner à droite.
stop, il n'y a personne. Hop. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez, hop, tenez la gauche et tournez à gauche. Tournez à gauche. Allez tout droit. Oula. Oula. Qu'est-ce qui vous arrive, mon bon monsieur? Bah la route, c'est pas de la route. Tu vas le voir. Bah non, on est sur des terrains vagues dans cette session. On fait du 4x4. On fait du hors-piste. Préparez-vous à tourner à droite. Mode désert, quoi. Tournez à droite. Allez, on est arrivé. Ouais, tourne à droite. On est au fond. Ce fut une belle balade. Waouh! À droite, il est en train de... Là, je vois les bagnoles qu'on cassait par. D'accord, avalanche style. D'accord, on est dans une sorte de casse ou de bouage. C'est une casse, ouais. Je ne sais quoi. Bon, ça doit être une casse parce que les voitures stackées. Et le jour se lève. Voilà. Voilà. Oh. Eh ben, c'était une bonne session. Ouais. Et donc, on a eu un peu de mal à se lancer, mais ouais. On est reparti. Et donc, en fait, quand tu regardes la carte, tu vois le... Bah l'eau qu'on a traversée en fait, tu vois que c'est un tout petit bout de rien du tout en fait. Bah tu as en plus le logo là du ferry. Hein? Ouais bah là, bah c'est ça en fait, c'est ce petit bout là qu'on a... Ouais. Quand tu dézoomes tu vois que c'est un tout petit bout d'eau. On n'a pas le... Ça fait peut-être partie du Canada, je sais pas, la petite terre qui est au nord. Bah c'est ce que je me posais la question tout à l'heure, ouais, cette petite île, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que ça fait partie du Canada. Ça appartient au Canada. Mais tu vois, au niveau de l'eau, il y a que ça, quoi. Ah bah oui, en même temps... Et on peut pas aller à... Tu vois, Burlington, il n'y a pas de port. On peut pas y aller choisir soit Everett, soit Burlington. Donc... Je sais pas, à voir après du côté des Grands Lacs, s'il n'y aura pas quelque chose qui peut être fait là-bas par rapport à ce style de truc. Bah je sais pas où il y a des ferries, en fait, sur la carte des États-Unis. Personnellement, je sais pas, peut-être... On découvrira peut-être dans le futur. Peut-être au Mexique, mais... Si on est toujours là. Ouais. Tiens, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de villes que j'ai pas faites. Allez, une petite sauvegarde. Avant d'oublier. J'ai Salina et Price que j'ai pas faites, que j'ai pas découvert. Et en Idaho, bah, j'ai Idaho Falls que j'ai pas découvert. Et puis, j'en ai pas mal, ouais. Bah moi ici, ouais, ça va. En fait, j'ai fait tout le centre ici. Parce qu'on voit que j'ai fait tout le Spokane, justement, par Angeles. Et le côté par où on est arrivé, quoi. On est arrivé par Pendleton. Donc, ouais. Ah, c'est bien, c'est qu'il y a du choix, par contre, en termes de ville sur Washington. Oui, parce que si oui. Tu regardes par exemple l'Utah, le nombre de villes c'est un peu plus limité. T'en as 2, 4, 6, 8, t'en as 10. Ouais, Washington, Oregon, il y a pas mal. Alors t'en as 2, 4, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, t'en as une quinzaine à Washington. T'as presque t'as une fois et demie, quoi, en moyenne. Ouais, bon. Eh ben, c'était cool. Ça fait plaisir de retrouver son Sur... camion. Ouais. Sur ce, monsieur dame, on va s'arrêter là. On a eu des débuts difficiles, mais sur l'ensemble, j'espère que vous avez aimé. Ouais, c'est pas mal, on s'est bien rattrapé sur les deux missions, mine de rien. Oui. Souci technique au début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Jackie et Michel. À plus, Michel. Bah, plus Jackie, on se retrouve ça bientôt pour de nouvelles missions, hein, pour continuer la découverte de Washington et certainement prochainement l'Utah. Hein. Ouais, et maintenant qu'on a pas mal d'états, on va pouvoir faire des voyages entre plusieurs états. Et là, Bah, c'est maintenant pas qu'on a loin. Washington et en plus qu'on a, on a le Nouveau-Mexique, on peut faire le super trajet de Washington-Nouveau-Mexique de ouf. Ah, si on arrive à trouver une mission, surtout. Oh, il Enfin, y ça en a. dépendra de Je ça, pense qu'il y en malheureusement. a. Oui. Bah, moi, j'ai trouvé jusqu'au Nevada tout à l'heure, mais plus loin, j'ai pas vu. Si, j'ai déjà J'ai vu, moi. vu Oregon, Californie. Ouais, mais il faut tomber dessus, quoi, c'est pour ça. Ouais. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Et à ciao, les amis. Ciao, ciao.